Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission sur Radio Garde Classe en compagnie de Francis et Michel, émission d'actualité qui fait suite à l'émission sur le Christ radical et la nativité, émission d'actualité qui va reprendre l'actualité sur les mois de décembre de l'année dernière et de janvier de cette année. Donc émission d'actualité qui sera peut-être un peu particulière parce qu'on va essayer aussi de faire aussi la synthèse de ces 2 ans où le capital a matérialisé un peu son entrée dans sa crise terminale. Et on va essayer aussi de faire une ouverture sur les temps à venir 2022-2023. Donc effectivement, c'est la première émission de l'année. Il y a une actualité à venir qui est très chargée. Au niveau national, il y a les élections au niveau de la France. Il y a l'Europe avec la France qui va présider le Conseil européen. Et il y a tous les événements qui sont en train de se passer autour de l'Ukraine avec les affrontements de blocs entre États-Unis, Russie, Europe. Voilà, il y a bien sûr le mythe Covid qui soit continue sur une base de plus en plus falsifiée, soit passe à un mythe supérieur. Donc on verra tout ça tout au long de l'émission. Et c'est très intéressant parce que en préparant l'émission, on pouvait se dire que il y avait peut-être assez peu d'éléments d'actualité, mais finalement, dans ce monde qui est totalement renversé, on se rend compte que ce qui nous est présenté médiatiquement comme ayant de l'importance est finalement un détail, alors qu'il y a énormément de détails qui nous permettent de comprendre où on se situe, où en est la crise, et comment vont s'articuler les temps à venir. Et d'ailleurs, depuis le début du mythe Covid, c'est assez facile à voir, tout ce qui est dit d'importance, d'ailleurs par le gouvernement, est finalement contredit. Alors, c'est contredit par des critiques du Covid, mais c'est contredit, c'est autant auto-contredit par le gouvernement lui-même quelques semaines ou quelques mois après. Et on voit par exemple que quand Macron, l'année dernière, nous disait que le vaccin ne serait pas obligatoire, il le dit clairement, et ben finalement, il fallait voir les choses à l'envers parce que le vaccin est finalement quasiment devenu obligatoire pour tout le monde. Et maintenant, pour aller vers des perspectives de questionnement, on voit bien qu'aujourd'hui, là, on enregistre fin janvier, début février, on est sur un point de bascule. On voit bien qu'il y a on est dans la contradiction entre la tyrannie qui doit être sans fin du point de vue de la crise et du contrôle social que ça engendre, parce que tout ça dépend de cette loi de la baisse du taux de profit qui est finalement inaltérable. Mais d'un autre côté, on voit qu'il y a une apparente, et je dis bien une apparente détente, en tout cas du point de vue du mythe covidien. Il y a énormément de pays en Europe, aux États-Unis, etc., qui laissent penser que le virus est ce qu'il est finalement depuis le début, à savoir quelque chose de relativement banal. Et on voit bien qu'il y a une détente qui s'amorce sur ce mythe-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de détente par la suite. Et finalement, c'est très intéressant parce que on voit bien que là, le mensonge du Covid se révèle à lui-même parce que tous ces pays qui rentrent dans cette détente ont, et même si les chiffres, par exemple, en 2020 ou en 2022 sont globalement falsifiés, on a quand même enfermé les gens pendant 2 ans sur la base de chiffres d'hospitalisation ou de morts, etc. Et on voit bien que les chiffres aujourd'hui sont les mêmes qu'il y a 2 ans. Donc, ça veut bien dire qu'il n'y a pas d'objectivité et pas de réalité d'un point de vue sanitaire pur. Et ça veut bien dire que c'est le capital qui a décidé à un moment donné de tendre la situation et à un moment donné peut-être de la détendre. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, peut-être dans les premières questions, Francis, est-ce que vous pourriez faire une sorte de synthèse assez brève déjà de ces 2 dernières années? Parce que ça fait déjà 2 ans qu'on est rentré dans ce mythe du Covid qui finalement est le mythe dont on parle quotidiennement. Et est-ce que vous pouvez expliquer aussi ce pourquoi il y a cette impression aujourd'hui que du point de vue de ce mythe, on est en train de passer à autre chose et pourquoi? Voilà. Alors, je reprendrai les questions que nos correspondants nous ont envoyées dans un second temps. Je voudrais préalablement faire un rappel de méthode sur la temporalité longue. Il y a, sur la décennie 2010,
est sorti un ouvrage qui s'appelle Commentaire sur l'extrême radicalité des temps derniers. Il positionnait un axe stratégique dans la géopolitique de l'imposture du capital et de la crise de la valorisation, et il explicitait comment et pourquoi allait se formaliser à la fin de la décennie 2018 ce qu'on a vu surgir à travers les taux d'intérêt négatifs, puis le mouvement des Gilets jaunes. Commentaire sur l'extrême radicalité des temps derniers. Nous étions rentrés dans les temps derniers. Nous n'étions pas rentrés dans le temps dernier. Nous étions rentrés dans les temps derniers parce qu'il y a une temporalité longue, contradictoire, qui est faite de positionnement, de contre-positionnement. Et là, Guerre de classe, en partenariat avec Culture et Racines, vient de sortir du spectacle fétichiste de la marchandise mondiale et de sa crise finale. Donc, comment sommes-nous passés des temps derniers à la crise finale? Parce qu'il y a eu effectivement un précipité dialectique dans les déterminations de ce qui constitue la dialectique des forces productives, et que à partir du moment où, au bout des temps derniers, nous sommes rentrés dans la crise finale, nous sommes rentrés effectivement dans ce gigantesque moment où la saturation du marché, la baisse du taux de profit au niveau mondial ont rendu impossible la reproduction classique sur la joie fausse de la consommation ludique abrutie sans fin, puisqu'on est passé au contrôle tyrannique, sanitaire, policier de la peur nécessaire. Donc tout ça, nous l'avons expliqué dans les différentes émissions que nous avons effectuées au cours des derniers mois. Mais le temps est le temps. Et si le temps est le temps, c'est parce que le temps est le perpétuel mouvement de l'abolition des séquences qui le déterminent, puisqu'il produit un advenir. Et cet advenir, il se situe à deux niveaux. Il y a la géopolitique du capital et il y a le devenir de la lutte de classe. Grand mensonge de la géopolitique du capital, grand mensonge du contrôle sanitaire de la lutte de classe, et l'émission que nous faisons aujourd'hui nous dit, je crois que c'est le titre que nous avions positionné, face à l'interminable mensonge covidien de la tyrannie étatique de la crise du capital, percevoir, voir, organiser la percée qui va vers le voir de cette insurrection prolétarienne qui s'annonce. Donc aujourd'hui, nous parlons de quelque chose qui s'annonce. Nous parlons de quelque chose qui n'est pas là. Nous aurons prochainement une émission théorique sur le congrès de guerre de classe qui s'est tenu il y a quelques semaines, où nous poserons la question de qu'est-ce qu'un groupe communiste, et à partir de là, dans la longue tradition du maximalisme ouvrier tel qu'il découle de la Première Internationale, nous rappellerons les principes fondamentaux de l'organicité, de l'intervention et de la prévision. Et de la prévision. Donc l'émission d'aujourd'hui en actualité, percevoir cette insurrection prolétaire qui s'annonce, c'est aider les auditeurs qui nous écoutent à comprendre que cette vérité qui s'inscrit toujours en négatif des apparences, et bien le négatif des apparences, mais que si méthodologiquement je sais creuser dialectiquement les profondeurs contradictoires, ce qui s'annonce et qui n'est pas là est cependant relativement là. Et donc, je prends la première question qui nous a été posée par Sofiane. Sofiane a posé cette question essentielle que Marx pose dans les manuscrits de 44, dans l'idéologie allemande, qui est celle du décalage de la longue durée. Notre correspondant nous dit, il y a toujours une longue durée complexe entre un surgissement et un autre surgissement, qu'entre ces deux surgissements, une période contre-révolutionnaire a stabilisé l'aliénation régnante de la démocratie de la valeur d'échange. Et ce correspondant nous rappelle avec justesse le cycle du 1848-1871. Entre 1848 et 1871, il a fallu plus de 20 ans pour que ce qui avait disparu ressurgisse.
Et Sofiane prend deux autres exemples. Il prend l'exemple de 1936 et 1968, où là, on a plus de 30 ans. Puis ensuite, le cycle 1968-2018. Là, on a plus de 50 ans. Notre émission aujourd'hui pose la question: comment percevoir cette insurrection prolétaire qui s'annonce, qui en 2018 a été écrasée par la répression policière, mais plus encore par l'immobilisme gauchiste, souverainiste, ateliériste, riquiste, ripiste du comment gérer notre misère quotidienne dans des ateliers constituants de régénération aliénatoire. C'est bien évidemment la répression, mais c'est évidemment aussi le réformisme qui travaille en dedans. Quand Marx positionne la répression de 1848 comme la répression de 1871, il insiste bien sur le fait que ce qui écrase le mouvement, c'est la répression, mais il pose la question: pourquoi la répression arrive à réprimer? La répression arrive à réprimer parce que dans l'automouvement de la radicalité, il y a un frein générique à l'intérieur qui est effectivement ce qui neutralise le mouvement et qui permet à la répression de gagner. La question, c'est pas à la répression a gagné, pourquoi? C'est la répression a gagné, pourquoi? Parce qu'il y avait déjà, avant même la confrontation entre le mouvement et la répression, quelque chose qui, dans le mouvement, avant même que la répression tape, neutralisait le mouvement. Donc on a eu tous ces ateliers constituants de débilisme réformiste qui ont tué le mouvement de l'intérieur, parce qu'au lieu de le faire sortir vers la perspective radicale du à bas la politique, à bas l'économie, à bas l'argent, à bas l'État, à bas le salariat, lui a dit mes cocos, vous écrivez les ateliers constituants d'une politique nouvelle, d'une économie nouvelle. Donc notre pire ennemi, c'est ça. Et c'est ce que Marx positionne en 1848 et c'est ce qu'il positionne en 1871. Mais la question que pose Sofiane, c'est quand est-ce que ça redémarre? Quand est-ce que ça redémarre? Et Marx répond, et là, il y a un concept qui est très, très intéressant. Par-delà le concept du décalage, c'est le concept de l'usure. Quand une matérialité oppressive écrase policièrement, étatiquement, matériellement, elle écrase aussi parce que idéologiquement, elle produit des conditionnements qui font que la question essentielle est réglée au bénéfice du capital. Quelle est la question essentielle telle qu'elle est posée par Marx dans l'idéologie allemande? C'est la perception. Qu'est-ce qui fait que Thibault, Michel, Francis et des millions de prolétaires ont à un moment donné, de manière massive et offensive, la perception de la nécessité du surgissement révolutionnaire, la perception. Ça veut dire que par-delà l'idéologie qui est un écran entre nous et le réel, la perception aliénée est bousculée et supplantée par la perception radicale. Il y a une lutte des perceptions. Le spectacle de la marchandise qui nous conditionne dans des perceptions aliénatoires, qui renvoie au fétichisme de la marchandise et qui renvoie au livre 1 du Capital sur le fameux hiéroglyphe de l'inversion, est inversé. Le surgissement révolutionnaire, c'est quand l'inversion est inversée. C'est quand je perçois le réel, malgré ce que le Capital veut produire en moi de perception irréelle. Donc la question de Sofiane sur le décalage, qui nous amène à la question de Marx de 1848 sur l'usure, c'est l'usure de la matérialité. Et qu'est-ce que nous découvrons en janvier? Nous découvrons en janvier que tout piétine. En janvier, il y a une usure matérielle objective et il y a une usure matérielle subjective dans les perceptions. C'est-à-dire qu'il y a un an, la tyrannie sanitaire marchait relativement bien, même s'il y avait des pôles de résistance. Là, il y a une usure dans la perception globale, mais il y a une usure dans les perceptions individuelles. Vous rencontrez autour de vous des gens, première dose, deuxième dose, troisième dose. L'enthousiasme initial de la protection dans la peur spectaculaire organisée se fatigue, se corrode. Il y a donc une usure matérielle objective du rapport social aliénatoire de la tyrannie sanitaire. Et dans le même temps, les taux d'intérêt négatifs, la déstructuration globale de l'économie monde, le CAC 40 qui gigote semaine après semaine
avec des affaiblissements significatifs qui montrent bien qu'il y a quelque chose d'encore plus déstructuré que ce que nous pouvions positionner, se laisse voir. Donc, on saisit bien qu'à tous ces niveaux-là, il y a effectivement une usure profonde et une matérialité de l'aliénation qui se dissout. Donc, nous ne sommes pas en janvier 2021. On va parler des élections, on va parler des restructurations, mais on voit bien que le calendrier, on en reparlera tout à l'heure à propos de l'armée de réserve, mais Marc me dit, dans le cadre de ses correspondances, finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que fait le capital? Il ouvre la clé le matin, il ferme la clé le soir. Bon, c'est une formulation symbolique pour dire qu'aujourd'hui, le capital, il gère l'expédition des affaires courantes, de la circulation de la marchandise. Le capital, aujourd'hui, organise la gestion courante des affaires quotidiennes de la circulation des marchandises. Mais la valorisation n'a pas redémarré. Rien n'a redémarré. Et quand vous voyez Le Maire qui vous explique qu'on va compenser les dépressions d'hier par des repressions de demain, quand vous voyez qu'au niveau de l'organisation du commerce mondial, on vous dit que ce qui va redémarrer va compenser ce qui s'était stabilisé, qui avait stagné, on voit bien qu'on est dans quelque chose de totalement fictif, où rien ne redémarre en opérationnalité active du point de vue du taux de profit et du point de vue de la saturation des marchés. On est effectivement dans une paralysie totale. Et la tyrannie sanitaire qui avait pour fonction de cacher cette paralysie globale, elle ne peut pas fonctionner à l'infini. Donc, on va en reparler tout à l'heure. Je termine là. La tyrannie sanitaire n'a pas de sens. La tyrannie sanitaire n'a pas de sens en soi. Et là, je reprends un message de Benoît sur stratégie du terrorisme, stratégie de la tension, État-attentat. Nous avons une vision globale de l'unité organique de la totalité du capital. Il n'y a pas le terrorisme d'État de la gare de Bologne dans les années 60. Il n'y a pas, Al-Qaïda et Daesh. Il n'y a pas le terrorisme d'extrême gauche et le terrorisme d'extrême droite. Il n'y a pas la tyrannie sanitaire et puis de l'autre côté, le capitalisme vert, tyrannique, dictatorial. Tout ça constitue des métastases de quelque chose qui s'appelle le chaos de l'indistinction, le chaos de la crise du capital. Donc, on va rentrer dans une période où on aura des attentats massifs, le capitalisme vert, éventuellement un nouveau variant, mais il faut comprendre qu'on est entré dans une époque où le capital s'use. Donc, le facteur clé pour comprendre les 2 mois qui viennent avec les élections sur lesquelles on va reparler, c'est matérialité en décomposition de la structure de contrôle social que le capital veut mettre en marche derrière les taux négatifs, incapacité pour le capital de reproduire autre chose qu'une stagnation des affaires courantes. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille, parce que effectivement, percevoir cette insurrection prolétaire qui s'annonce, c'est elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Mais nous savons qu'elle est déjà en train de travailler. Et nous savons que parce que tous ces éléments-là sont inopérationnels pour le capital, le compte à rebours a commencé de la même manière que nous avions prévu les gilets jaunes dans les années 2015, 2016, 2017, même si nous ne les avions pas désignés à travers le vocable qu'ils allaient choisir pour se désigner eux-mêmes, nous savions 2 ans, 3 ans, 4 ans avant que ça allait péter. Là, ce ne sera pas 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais nous percevons cette insurrection prolétaire qui s'annonce et nous pouvons la désigner parce que sur le terrain justement de les commentaires sur l'extrême radicalité des temps derniers et du spectacle fétichiste de la marchandise mondiale, nous repartons sur les fondamentaux du groupe Marx-Engels. Qu'est-ce qu'un surgissement prolétarien ? Un surgissement prolétarien, c'est le moment où la perception communarde rend compte du fait qu'elle est supérieure aux puissances de la communication, de la perception aliénée. Et c'est un combat de perception. Donc, comprendre comment fonctionnent les combats de perception dans la dialectique des forces productives, c'est comprendre leur matérialité, c'est comprendre leurs contradictions,
c'est comprendre leur épuisement, c'est comprendre leur positionnement et leur contre-positionnement. Donc, nous pouvons dire aujourd'hui que nous percevons cette insurrection prolétaire qui s'annonce, même si personne ne la voit, ou même si peu de gens la voient, parce que nous ne sommes pas dans une analyse subjective, Thibault, Francis, Michel. Nous sommes dans une programmation de patrimoine historique sur la base du groupe Marx-Engels. Nous sommes dans une cohérence. Nous en reparlerons sur l'émission sur le Congrès. Un groupe communiste a une organicité, une intervention et une prévision dialectique dans la manière dont il agrippe les manifestations de l'histoire, parce que les gens qui sont dans un groupe communiste ne sont pas la synthèse des gens qui le composent, c'est une totalité supérieure qui positionne une vision impersonnelle et dialectique, savoir absolu Hegel, critique radicale communiste Marx, notre pensée n'est pas la pensée singulière de notre nombril agité, c'est une puissance en travail, en ouvrage, qui fait collectivité organique. Je voudrais revenir sur encore sur la perception et puis sur la prévision. Et le titre qu'on a donné à l'émission est intéressant là-dessus parce qu'on dit percevoir, vous l'avez dit, cette insurrection prolétaire qui s'annonce. Percevoir, c'est saisir le réel par les sens. Or, 99% des gens vont nous dire, mais vous percevez ce que vous avez envie de percevoir. Ce qu'on peut percevoir, c'est le délire du Covid et éventuellement des manifestations, etc., qui pourraient tendre au fait que ce délire s'arrêterait. Et donc, c'est important de voir que la perception, qu'est se saisir par les sens, tout dépend du niveau de conscience qui perçoit. Donc, on peut percevoir l'immédiateté première et donc sombrer dans la trouille du Covid. On peut, quand on commence à être critique, commencer à faire des recherches et voir ce qui se passe derrière, voir la manipulation étatique, et donc se dire que c'est un problème de manipulation étatique, mais si on s'arrête là, eh bien on arrive à la solution, il faut se battre contre l'État là tout de suite pour qu'il arrête de nous manipuler. Donc le titre, il est très bien fait parce que c'est vous qui l'avez fait, face à l'interminable mensonge covidien de la tyrannie étatique, on part au niveau de conscience supérieure, de la presse du taux de profit, et c'est encore le niveau supérieur. Si on comprend, si on devient complotiste, entre guillemets, si on comprend que y a un problème d'escroquerie étatique, mais qu'on s'arrête là, on est perdu sur la prévision, justement, dont vous parliez. Cette tyrannie étatique, elle ne peut être comprise que si on s'attelle, non pas à l'immédiateté qu'on voit quand on fait des recherches sur Internet et qu'on voit qu'on nous ment, mais si on s'attelle au concept, à la valeur et au fait que la valeur est en train de mourir. Et là, la tyrannie s'explique et le Covid s'explique. Et donc là, et ça change tout sur la prévision. Et donc, par exemple, on a eu une discussion ces derniers jours, on parlait des élections. Quelqu'un qui essaie d'avoir un regard critique sur les élections, mais qui s'arrête à l'immédiateté. Donc, il va chercher qui finance qui, à quoi sert objectivement tel ou tel candidat. Il va se dire que Zemmour, il sert à diviser les voix de l'extrême droite, entre guillemets, en deux. Mais c'est toujours une vision qui a sa réalité, mais qui est prise dans une immédiateté de l'instant, qui ne tient pas compte de l'évolution globale de la crise. Il peut s'avérer que Zemmour, on en parlait l'autre jour, que Zemmour, qui a objectivement tout de suite cette fonction-là, puisse avoir, au regard d'une accélération incroyable, la nécessité de devenir un recours, justement parce que tout s'accélère. Et ça, c'est très important. Ça me faisait penser au bouquin je ne sais pas si les auditeurs l'ont lu, le bouquin de Marx sur la lutte des classes en France, où on voit. Donc, on est en janvier 1848, on est sous Louis-Philippe, et puis à la fin de l'année, on va se retrouver sous Louis-Napoléon Bonaparte. Et on voit l'accélération de tout ce qui mène de l'un à l'autre, où tout ce qu'on pouvait prévoir en perception d'immédiateté, même critique, se révèle faux au bout de la route, parce qu'il y a une accélération de l'instant. Est-ce que vous pourriez appuyer un peu là-dessus et nous expliquer un peu ça? Alors, on est le 2 ou le 3 février, je sais pas, enfin, on est début février, on est le 5, on est le 5 février. Mais l'ampleur de la décomposition économique mondiale, alors on y reviendra tout à l'heure, parce qu'il est bon de démarrer par la dialectique des forces productives de l'aliénation, la géopolitique mondiale de la valorisation aliénatoire,
pour comprendre que ce qui se passe dans un espace donné est déterminé par le tout de l'espace mondial du marché en décomposition. Mais qu'aujourd'hui, on retourne toujours à la Nouvelle Gazette Rhénane. La Nouvelle Gazette Rhénane nous a donné un socle méthodologique. La France est à l'avant-garde de l'histoire européenne et l'Europe est à l'avant-garde de l'histoire mondiale. Engels, Marx. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement une dialectique historique mondiale qui a positionné dans la dialectique historique européenne cette spécificité radicale de la dialectique historique française. C'est-à-dire que l'incendie social de toutes les formulations pratiques et théoriques aboutit dans le cadre de la Révolution européenne de 1848 et sur le chemin du manifeste communiste au positionnement ultérieur de la Commune de Paris. Donc, toute l'histoire du devenir mondial est concrétisée par la substance essentialiste du devenir des luttes de classe qui traversent la géopolitique française. Il y a eu des mai 68 dans beaucoup d'endroits. On a même connu en Italie un post-mai 68 radical, mais la sève sauvage de la grève spontanée, c'est Paris et c'est la France. Et on va revivre de la même manière qu'on l'a vécu en 2018 avec les Gilets jaunes, à travers cette élection, ce qui tourne autour de l'élection et ce qui résulte de l'élection, une cristallisation décisive, parce que la France est symboliquement, à travers l'histoire de son passé, la temporalité de son présent et ce qui emporte son advenir, une cristallisation parfaite de l'histoire européenne au regard de l'histoire de la radicalité mondiale. Donc là, on peut imaginer un assouplissement de la tyrannie sanitaire. On peut imaginer un retour intensif à la tyrannie sanitaire. On peut même imaginer une situation d'exception où les élections sont reportées. On peut imaginer des élections où la fraude est massivement organisée pour que Macron soit préservé. On peut imaginer, pour faire plaisir à certains cénacles tels minques, que Valérie Pécresse soit une Valérie Macron supérieure ou une Emmanuelle Pécresse plus intensive. Et Macron laisserait le passage à Valérie Pécresse. On peut imaginer une percée radicale de Zemmour et une explosion de Marine Le Pen. On peut imaginer un tassement de Zemmour et d'un seul coup une surélévation de Marine Le Pen. On est au carrefour du tout est possible. On est au carrefour du tout est possible parce que la décomposition est tellement intensive que notre travail de percevoir cette insurrection prolétaire qui s'annonce, il ne se fait pas maintenant le 5 février, il se fait sur cette temporalité d'accélération contradictoire de février-mars, de février-mars, j'ai fait un lapsus, février-mars. Oui, c'est bon parce que Marx revient dans Mars. Mais il va se passer des choses essentielles. Il va se passer des choses essentielles. Et quand les anciens camarades des années 60 percevaient dans la décomposition des années 60 qu'il allait, dans les années 66-67, se passer quelque chose, ils savaient que quelque chose de radical allait se passer. Ils ne pouvaient pas le diagnostiquer à la minute près, à la seconde près, dans la formalisation près de l'instant particulier. Mais il savait, parce que c'est ça, le travail de perception radicale, le travail de prévision dont nous allons parler dans l'émission théorique sur le congrès de guerre de classe et sur ce qu'est un groupe communiste. C'est une prévision dialectique qualitative. On l'a dit à plusieurs reprises dans de nombreuses émissions, on le redira toujours, la prévision historique dialectique est une prévision qualitative. L'histoire ne repasse pas les plats. Quand on fait une expérience en laboratoire sur une combinaison chimique qui a déjà été testée, expérimentée et vérifiée, on sait que si on met le curseur à 12,4, ça va se reproduire. Parce que dans les phénomènes non historiques et non humains, le quantitatif surdétermine le qualitatif. Donc on sait que si on atteint le niveau requis, on va,
dans le laboratoire en vitre, immanquablement reproduire l'expérience. Ce que nous savons, nous, dans l'histoire, c'est que l'histoire est la production d'une unicité qualitative. Rien ne se reproduit en histoire. Il y a certes des choses qui se ressemblent, mais rien ne se reproduit. Donc, la prévision historique n'est pas une prévision scientifique, physico-chimique. C'est une prévision dialectique qualitative. Elle ne nous donne pas le niveau précis de l'instant, elle nous donne la tendance de l'époque. Donc, c'est à la fois beaucoup plus intelligent, beaucoup plus difficile et beaucoup plus problématique à quantifier, puisque ce qui fait le quantum, ce n'est pas le quantum, c'est la qualité. Donc, nous allons rentrer dans un trimestre décisif où tout est possible, où tout est possible, parce que la société française est au bout d'un cycle d'imposture qui a conduit toutes les mystifications de restructuration possibles. Et la société française explosée entre cette France périphérique du prolétariat exclu des métropoles mondialisées et la France privilégiée des métropoles mondialisées, de la classe capitaliste et de ses clientèles immigrées, va rentrer en conflit dans une problématique explosive. C'est pour ça, on l'a redit à plusieurs reprises, que ce qui est intéressant chez Zemmour, c'est que Zemmour vient produire un écran pour que la question du grand remplacement ne débouche pas sur la question radicale de la lutte des classes. Le grand remplacement, tant qu'il est posé d'un point de vue simplement transfert démographique ethnique, il n'est pas subversif. Mais à partir du moment où il est posé d'un point de vue radical de lutte de classe, il devient subversif. Donc la tâche de Zemmour et de Le Pen d'une autre manière, c'est d'empêcher que soit posée la question radicale: qu'est-ce qui fait que le grand remplacement est une arme de guerre de la classe capitaliste mondiale pour casser la lutte des classes du prolétariat? Parce que nous, en tant qu'héritiers bornés du groupe Marx-Engels, nous savons que pour comprendre le réel et pour comprendre cette question, comment percevoir cette insurrection prolétaire qui s'annonce, il faut toujours en revenir à la clé de voûte méthodologique du comprendre, c'est la lutte des classes. Pourquoi nous savons, on y reviendra tout à l'heure, pourquoi nous savons que l'imposture écologique est une imposture, lutte de classe? Pourquoi nous savons que le légébétisme est une clientèle capitaliste contre-révolutionnaire, lutte de classe? Pourquoi nous savons que la révolution communiste ne viendra pas des immigrés, lutte de classe? Nous avons une boussole. Ce n'est pas notre petit cerveau à tous les trois additionnés qui a prétention à comprendre. Nous avons une histoire, une transmission, une méthode, une radicalité, une vision, une optique. Tout s'explique du point de vue de la lutte de classe. Et donc aujourd'hui, dans cette phase particulière du premier trimestre 2022, tout est possible parce que tout va bouger. Pécresse va peut-être voler en éclats. Macron va peut-être voler en éclats. Zemmour va peut-être d'un seul coup grimper très haut. Peut-être que d'un seul coup, il va grimper très bas. Nous le saurons, nous allons le saisir, nous allons le dialectiser en fonction de la matérialité objective de la réalité sociale, parce que semaine après semaine, sur février et mars, en fonction justement de la crise mondiale de la valorisation, en fonction de toutes les impostures géopolitiques, politiques, sociales, économiques, écologiques, on va voir s'ouvrir un chemin. On va voir s'ouvrir un chemin. Mais qui va comprendre où va le chemin qui s'ouvre? Uniquement ceux qui dialectiseront la radicalité objective des luttes de classe en fonction de la dynamique de ce qu'est la dialectique des forces productives de l'aliénation. On avait prévu les taux d'intérêt négatifs, on avait prévu le mensonge coronaviral, même si on ne savait pas qu'il prendrait cette forme-là dans les méandres sanitaires de son imposition politique. Nous savons que 2022 et le moment où va se produire le grand fendillement social. Donc nous ne savons pas encore, comment ce fendillement va s'opérer, mais parce que nous allons travailler et que nous n'allons pas jacasser subjectivement, mais que nous allons travailler méthodologiquement dans l'organicité, l'intervention et la prévision, d'émission en émission et de semaine en semaine, nous pourrons comprendre ce qui va se passer sur cette année qui vient et qui est décisive, quel que soit celui qui arrivera à l'Élysée ou quel que soit le tumulte social qui fait que personne n'arrivera à l'Élysée. Du coup, par rapport au titre de l'émission et au percevoir cette insurrection prolétaire qui s'annonce,
On voit que depuis, on va dire, 6 mois, voire un peu plus, il y a des manifestations partout en Europe. En France, il y en a eu beaucoup cet été, mais que finalement, il n'y a pas eu de basculement encore. Il n'y a pas eu de basculement du sanitaire vers la question sociale. Et en France, finalement, enfin, c'est la même chose en Europe ou ailleurs. Ceux qui manifestent veulent la même chose que ceux qui se vaccinent, par exemple. Ils veulent revenir au monde d'avant. Il n'y a toujours pas une question qui se pose sur le après. Et Francis, vous avez déjà parlé de transcroissance ou de transmutation. Ça serait peut-être bien d'expliquer ce concept-là. Qu'est-ce qui fait que finalement, depuis cet été, il n'y a toujours pas eu dans les rues, finalement, c'est toujours le même défilé tous les samedis où la question qui est posée est la même et qu'il n'y a pas encore de nécessité à poser autre chose. Et qu'est-ce qui fait que finalement ça n'a pas pris? Et par rapport au titre, qu'est-ce qui fait que ça va nécessairement prendre à un moment donné? On en revient à toute cette fulgurance, à toute cette ébullition qui a travaillé la première internationale et qui se résout dans la formule que Marx a positionnée comme sous-titre du Capital, critique de l'économie politique. Aujourd'hui, vous avez ceux qui croient au Covid. Nous avons tout de suite expliqué que le Covid, première section du Capital, fétichisme de la marchandise, le Covid, c'est comme Timișoara, c'est comme les 75 000 fusillés, c'est comme les bébés couveuses de Covet City, c'est comme la fiole de Colin Powell. Nous savons que dès que le Capital produit une vérité officielle, nous n'avons pas besoin de passer des heures et des heures dans des gros dictionnaires médicaux, politiques, géopolitiques, ou de toute autre nature. Nous savons par essence et d'avance que dès que la parole officielle de l'État se prononce, elle dit le hiéroglyphe du fétichisme de la marchandise et donc l'inversion. Il y a ceux qui croient au Covid. Nous étions dès le début ceux qui savions que c'était une imposture et on n'avait pas besoin pour ça de travailler le vaccin, le contre-vaccin, le virus, le contre-virus. Il y a des gens qui ont découvert plus ou moins que le Covid était faux parce qu'ils ont passé des heures et des heures et des heures à labourer les territoires médico-sanitaires de la validation. Quand on est passé par le groupe Marx Engels et la radicalité, on sait que la fiole de Colin Powell est fausse par essence, sans avoir besoin pendant des heures et des heures et des heures de la suivre pour l'expertiser et pour savoir ce qu'il y a dedans quand elle est ouverte, quand elle est fermée. C'est pareil pour Timișoara, c'est pareil pour les charniers du Kosovo. Celui qui, dans la radicalité communiste de l'intransigeance verticale, connaît ce qu'est le fétichisme de la marchandise et qu'à partir de là, il sait le récuser en intégralité, il sait depuis le début que qui croient au Covid, croient une imposture et que le Covid est une imposture étatique. Bon, il y a ceux qui n'y croient pas. Il y a ceux qui n'y croient pas parce que ils ont expertisé le mensonge de la tyrannie sanitaire. Comme il y a ceux qui ont découvert au bout d'un certain temps que derrière les abominations dont on couvrait Saddam Hussein ou Bachar el-Assad, il y a des gigantesques manipulations de la CIA et du MI6. Mais ils ne le savaient pas d'abord. Il a fallu qu'ils aillent expertiser. On y reviendra tout à l'heure sur Rapallo, on voit apparaître une manifestation d'imposture en Ukraine. Il y a des gens qui vont bosser pendant des heures, des semaines et des mois pour faire jaillir le concept critique de la Révolution orange. Mais nous, on le sait dès le début. On n'a pas besoin de travailler des heures et des heures sur l'ingénierie sociale du MI6 ou de la CIA. On sait que le fétichisme de la marchandise, dès lors qu'il produit une vérité officielle, c'est le faux. Et il y a cette toute petite minorité qui sait ce qu'est la baisse du taux de profit, le fétichisme de la marchandise et l'imposture du capital. Donc, il y a la grande masse qui croit au Covid, il y a une petite minorité qui ne croit pas au Covid, mais qui ne sait strictement rien de la baisse du taux de profit et qui enferme la tyrannie sanitaire dans une tyrannie technico-scientifique du contrôle social. Il y a une tyrannie sanitaire parce qu'il y a une ingénierie sociale
de la tyrannie technico-scientifique. C'est un roman de science-fiction. Vous avez régulièrement à la télé un roman de science-fiction avec un monde, une planète, une tyrannie qui veut contrôler les gens. Dans ce film, on ne vous parle jamais de profit, de valorisation, de contradiction sociale. C'est des démiurges fous qui veulent contrôler des gens parce que la soumission de ces gens-là permet à un système qui est content d'être le système tyrannique. Pourquoi? Parce qu'il est tyrannique. Mais pourquoi il est tyrannique? Parce qu'il est tyrannique. Mais Marx nous a appris que la tyrannie n'existe pas. La tyrannie, elle est toujours la tyrannie de quelque chose. Donc, la science-fiction qui nous produit des tyrannies pour la tyrannie, des ingénieries sociales pour l'ingénierie sociale, des recettes pour le recette, des conditionnements sociaux pour le conditionnement social, elle oublie tout ce que Hegel et Marx nous ont appris, et d'ailleurs elle ne l'oublie pas parce qu'elle ne l'a jamais connu, le fameux génitif. La tyrannie n'existe pas. La tyrannie est toujours quelque chose qui a un génitif. C'est la tyrannie de l'ordre féodal ou c'est la tyrannie de l'ordre capitaliste. L'ordre féodal, c'est fini. Donc, toute tyrannie aujourd'hui est nécessairement la tyrannie du despotisme, de la valeur d'échange démocratique spectaculaire. Donc, si je ne comprends pas ça, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Donc, tout à l'heure, nous avons parlé de la matérialité, de l'épuisement. Nous sommes les seuls, parce qu'il y a des groupes qui se réclament vaguement de Marx et d'Engels, mais pour dire que le Covid, c'est grave, c'est le capital. Le capital empoisonne l'humanité. Donc le Covid, c'est très très grave. Donc quand on est radicaux, il faut gérer la crise sanitaire d'une manière subversive. C'est le degré ultime de la contre-révolution capitaliste. Faire croire qu'on parle de Marx et d'Engels pour dire ben, le vaccin gratuit... Le virus, c'est le produit de la décadence du capital. Oui, le virus, c'est le produit de la décadence du capital, au sens où ce virus, qui est totalement anodin, est surmédiatisé spectaculairement pour empêcher la lutte des classes. Mais aujourd'hui, dans la grande décomposition gauchiste et ultra-gauchiste, tous ces groupes-là disent « le capital utilise le virus ». Mais le virus existe bien dans une forme grave. La critique radicale du virus qui n'a aucune forme grave, comme les charniers de Timisoara, comme la fiole de Colin Powell, il n'y a que ceux qui sont dans l'intransigeance radicale communiste maximaliste qui la défendent. Donc, comme on est ultra-minoritaire, on est ultra-minoritaire là-dessus, comme sur l'armée de réserve immigrée, comme sur l'antifascisme dans les années 30, à Barcelone 37, Barcelone 37 à l'échelle mondiale, il y a 90% des gens qui vivent à l'époque sur la planète auditive qui se disent « Ah ben oui, aux centrales téléphoniques de Barcelone, c'est sûrement des fachos, puisque le Front populaire et même la CNT nous dit qu'il faut déposer les armes. » Donc il y a toujours un rapport de force, il y a toujours un rapport de quantité sur la qualité du message. Donc aujourd'hui, qui dit que les 75 000 fusillés n'ont pas existé? Qui dit que les charniers du Kosovo, c'est du bidon? Qui dit, alors le pire, c'est que, et de la même manière, de l'ultra-gauche à l'ultra-droite, personne n'a lu Le Roi la Durie, personne n'a lu Marcel Leroux, mais tout le monde parle d'une urgence climatique sur le COE produit, sur le C2, sur le CO2 produit par l'homme. Il y a constamment des unions sacrées, fétichistes de la marchandise, qui abrutissent l'humanité dans des religions obligatoires de diversion. Donc, la question que vous posez, qui est décisive, à quel moment les gens vont sortir de la tyrannie sanitaire? C'est-à-dire, à quel moment les gens vont se dire, c'est pas une tyrannie sanitaire, c'est la tyrannie sanitaire du capital, c'est la tyrannie sanitaire de la baisse du taux de profit, c'est la tyrannie sanitaire du mensonge démocratique de la valeur d'échange. Quand la matérialité opérationnelle qui produit cette force productive aliénatoire, va elle-même s'invalider. À quel moment la perception devient révolutionnaire? Quand la situation de la matérialité devient révolutionnaire. Donc, quand la situation de la matérialité commence à s'invalider. Donc, quand nous avons dit que les taux d'intérêt négatifs marquaient le commencement de la lente déstructuration du capital dans sa crise terminale, nous avons marqué que s'ouvrait une époque de longue durée. Entre la matérialité qui travaille et qui voit le capital s'invalider, et
la perception subversive qu'en ont les humains, faut nécessairement revenir à ce que disait Sofiane tout à l'heure, le concept du décalage. Le concept du décalage. Et c'est précisément en 68 qu'a surgi la grève sauvage radicale contre la droite et contre la gauche, parce que déjà en 67, toute une série de manifestations dont la population s'était cristallisée dans des grèves dures qui avaient commencé en 66, en 65, en 64, dans toute cette invalidation de la France des Trente Glorieuses. Donc il y a un temps qui travaille. La vieille taupe n'est pas quelque chose qui surgit. La vieille taupe est quelque chose qui travaille et qui surgit. Et le travail de prévision, quand nous disons percevoir cette insurrection prolétaire qui s'annonce, c'est pas « Ah, voilà, nous pouvons vous dire que la vieille taupe va surgir là ». Nous allons nous pouvoir dire à quel moment elle va surgir, comment elle va surgir, et non pas, je le rappelle, à la seconde, mais en tant que tendance historique qualitative, parce que notre travail, c'est d'accomplir et d'accompagner le travail qu'elle est en train de faire en profondeur. En 68 à Nantes, en 68 à Toulouse, ça débraye, parce que 67, 66, 65, ça a travaillé. Mais en 64, ceux qui ne font pas du travail dialectique de vieille taupe, ils ne voient rien. Ils voient des mécontentements, ils voient de temps en temps des contradictions, ils voient de temps en temps des crispations. Mais ça n'est pas rattaché à l'unité dialectique du temps historique global. Donc, rappelez-vous toujours Pierre-Vincent Ponté, je le dis toujours, qui sort un édito du Monde en février ou mars 68, où il dit « La France s'ennuie ». Là, nous sommes en février 2022. Saint-Jean vient s'empoter. Moi, je pourrais vous dire, on va faire un bon édito, qu'est-ce que la France s'emmerde avec ses élections ? Où il y aura d'ailleurs, probablement, même si l'abstention va se réduire, un taux d'abstention quand même significatif. Et c'est ça la dialectique. Les gens sont soumis. Les luttes contre le pass n'ont pas débouché sur un enjeu social, parce que la matérialité de l'enjeu social ne pouvait pas déboucher. Donc, à partir du moment où la perception des gens est déterminée par la matérialité du « de leur perception, s'il n'y a pas d'enjeu de déboucher dans la matérialité sociale, les gens de samedi en samedi, c'était « abat la tyrannie sanitaire ». Pour que les gens raccrochent au « abat de la tyrannie sanitaire » le « du capital », ou de la baisse du taux de profit, ou de la décadence du capital, il faut qu'il y ait une matérialité qui s'écrive dans leur tête et qui fasse qu'ils aillent écrire le génitif sur leur slogan. Pour qu'ils aillent écrire le génitif sur leur slogan, il faut que le génitif aille s'écrire dans la matérialité qui organise leur perception. Donc, il faut comprendre que l'insurrection prolétaire qui s'annonce est en travail. Et pour l'apercevoir, il faut travailler ce qui organise le surgissement possible de son déploiement, c'est-à-dire les contradictions matérielles qui vont invalider la perception réactionnaire. Pourquoi y a-t-il une perception réactionnaire ? Parce que la matérialité reproduit les conditionnements de perception réactionnaire. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la perception réactionnaire du fétichisme, du hiéroglyphe, est invalidée ? C'est que sa matérialité s'invalide. Donc, les élections sont décisives. On en a parlé, la gauche disparaît, Mélenchon dégringole, Hidalgo, ça n'existe plus, Zemmour va monter, peut-être va-t-il redescendre, Macron va exploser, y aura-t-il les élections ? Il se peut très bien que dans 15 jours, 3 semaines, on nous sorte un nouveau variant. Il se peut très bien que dans 15 jours, 3 semaines, on a un attentat massif du chaos étatiste de la spectacularité marchande. Il peut y avoir plein de choses. Le capital est à bout de souffle. Le capital est à bout de souffle. Le chaos de l'indistinction, c'est sa réponse. Terrorisme écologique, terrorisme des attentats, terrorisme sanitaire, chaos de l'immigration. Le capital ne sait plus quoi faire. Et comme le capital ne sait plus quoi faire, tout est en train de travailler dans la cybernétique de l'usine globale. Ce n'est pas les ministères qui vont décider ce qui va se faire. Ce n'est pas les services spéciaux. C'est l'implication dialectique
du chaos de l'indistinction qui fait qu'à un moment donné, ça va péter dans un sens ou dans un autre. Il n'y a pas eu un séminaire à Beauvau pour dire on va faire cramer Notre-Dame de Paris. C'est des spontanéités chaotiques. Et là, j'en reviens à une question de Benoît sur les stratégies de l'attention. Benoît me dit, mais il y a des terrorismes de gauche, il y a des terrorismes islamiques, il y a des terrorismes de droite. Alors, mais non. Il y a un terrorisme unitaire qui est celui de la crise du mode de production capitaliste, qui peut prendre des formes différentes. Mais les brigades noires italiennes ou Action directe en France, c'est la même chose. Les couillons de base d'Action directe ou les couillons de base des brigades noires, comme les couillons de base des brigades rouges, c'est des incultes manipulés dans une échelle hiérarchique de conditionnement. Nous, nous savons, dans la tradition radicale des groupes ouvriers communistes, en passant par les commentaires sur la société du spectacle et la critique de la société de l'indistinction, que tout service étatique est à l'origine de toute manipulation terroriste de masse. Et pour le chaos de l'indistinction, il n'y a pas d'attentat de droite, de gauche, islamique. Ça, c'est des. Je sais plus comment ça s'appelle, vous savez, le Grand Prix des chevaux à Deauville, les Kazakhs. Donc, il y a départ, Kazakh jaune, Kazakh bleu, c'est le même cirque hippique. Le terrorisme, c'est pareil. Il y a le chaos de l'indistinction, il y a les Kazakhs noirs, les Kazakhs rouges, les Kazakhs islamiques, puis en fonction des besoins. Action directe remplit sa mission étatique pour flinguer au dran parce que ça sert une restructuration capitaliste. Les brigades noires sur la Piazza Fontana parce que ça sert une autre structuration. Donc, ce qui nous intéresse, et c'est ce que j'ai répondu à Benoît, c'est que ce n'est pas qu'un clampin de base, dans son ignorance, dans son inculture, dans sa soumission, soit facho, trotsko, action directe, islamiste, Al-Qaïda ou islamiste, de tout ce que vous voulez. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le fil du commandement opérationnel de l'aliénation générale qui est programmée par le fétichisme de la marchandise. Donc aujourd'hui, le fétichisme de la marchandise organise un terrorisme mondial qui peut être de gauche, qui peut être de droite, qui peut être d'extrême gauche, qui peut être d'extrême droite, qui peut être islamiste bleu, qui peut être islamiste vert, peu importe. Tout acte terroriste de grande intensité est un acte étatique de la crise du capital. Et une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Juste là-dessus, et après Michel, je te laisse la parole, parce qu'on a souvent cette question sur l'immanence finalement. Donc l'immanence, c'est que ce qui arrive est déjà contenu dans le mouvement premier. Et c'est un concept qui est compliqué à comprendre parce que dans ce monde-là où tout est autoproduction personnelle, donc quelque chose d'assez narcissique, l'immanence, c'est comme quelque chose qui nous échappe. Et par rapport à la question de la compréhension des élites, on se pose toujours la question de savoir si, effectivement, il y a quand même une certaine compréhension et donc il y a une application de certains plans. Parce qu'on peut se dire que par exemple, un groupe communiste, c'est la fraction du prolétariat qui a la plus claire compréhension des fins à venir, on peut se dire que du point de vue de la classe mondialiste capitaliste, il y a cette même compréhension, donc à l'inverse. Mais on nous pose souvent cette question, est-ce qu'il y a quand même une compréhension concrète de ce qui arrive, peut-être pas de la baisse du taux de profit, mais est-ce qu'il y a une compréhension, et donc est-ce qu'il y a des, non pas qu'il y aurait un complot gigantesque tout en haut, parce qu'on a bien compris que c'est la marchandise qui dicte sa loi en dernière instance, mais finalement, quel est le niveau de compréhension de cette classe capitaliste? Alors, d'une part, la classe capitaliste n'a pas de culture historique, elle a un instinct immédiat d'autopréservation. Et de plus en plus. Parce que quand vous lisez un texte de Charles de Gaulle, ou quand vous lisez un texte de Raymond Poincaré, ou de Georges Clemenceau, ou de Winston Churchill, même s'il y a des déterminations, il y a quand même une compréhension. Quand vous atteignez le point d'inculture de la classe capitaliste contemporaine, vous voyez que l'effort de compréhension est encore plus impossible dans son résultat.
Parce que De Gaulle est équipé, il ne comprend pas tout. Macron est sous-équipé, il ne comprendra rien. C'est-à-dire qu'il y a réellement, dans le langage, dans la culture, dans la compréhension des enjeux géopolitiques, quelque chose de prodigieux. Dans les temps classiques, Louis XV, Louis XVI, qui parlent le latin et qui parlent le grec à 13 ou 14 ans, qui ont refait toute la guerre des Gaules, qui connaissent toutes les implications stratégiques de la guerre de Cent Ans, on a dans l'aliénation féodale et on a dans l'aliénation baroque et classique un gamin de 15-16 ans lorsqu'il devient roi qui maîtrise une amplitude de savoir qui est gigantesque. Aujourd'hui, un mec qui a fait l'ENA et qui est passé par la banque Rothschild, il a tout un savoir techniciste, administratif, mais du point de vue de la culture, ce qu'on appelait les humanités, les grandes histoires, les grandes géopolitiques, il est d'une nullité absolue. D'une nullité absolue. Alors, ce qui existe, bien évidemment, ce sont des mafias d'autopréservation avec des paranoïas policières intensives. Ces gens-là sont au pouvoir, ils veulent le garder. Alors, ce n'est pas eux qui font le pouvoir, c'est le pouvoir qui les font. Donc, ils sont crispés. Et on a bien vu au moment des Gilets jaunes que les larbins de la marchandise, qui sont donc les maîtres d'œuvre de la répression, sont très méchants. Mais ils peuvent être très méchants, mais ils ne seront jamais très intelligents. Ils peuvent être très techniques, mais ils ne seront jamais très historiques. Il faut comprendre qu'au bout de la déchéance du mode de production capitaliste, au bout de la déconstruction de toutes les cultures qui ont fait la culture classique qui portait à la Révolution. Parce que la culture classique réactionnaire, elle permet, quand on la renverse, d'accéder à la critique révolutionnaire. Marx dit toujours le surgissement de l'Empire, le surgissement post-révolutionnaire, c'est Napoléon et Babeuf. Il y a de la culture chez Napoléon, il y a de la culture chez Babeuf. Aujourd'hui, la classe capitaliste, elle est dans le progressisme de la marchandise. Elle est totalement inculte, elle est totalement nulle. Faut toujours se rappeler que nous vivons le moment où la gauche a définitivement liquidé la droite. La droite, c'était dans le cadre du positionnement révolutionnaire de 1789 à l'Assemblée, c'était ceux qui voulaient gérer la marchandise en préservant l'avant-marchandise. Et la gauche, c'était ceux qui voulaient gérer la marchandise en liquidant l'avant-marchandise. Il n'y a plus rien à liquider. Tout a été liquidé et aujourd'hui, qu'est-ce qu'un mec de droite? C'est un mec de centre-gauche. Donc il n'y a plus rien. Et on arrive à ce point où Hollande, Macron, Pécresse sont tous interchangeables dans la cybernétique totalitaire de la démocratie de la valeur d'échange. Et c'est pour ça que le cas Zemmour est intéressant, parce que Zemmour fait renaître une interrogation culturelle. Et pourquoi il fait renaître une interrogation culturelle? Parce que il fait renaître une interrogation qui permet d'aseptiser la compréhension radicale de la lutte de classe. Aujourd'hui, vous avez une masse considérable de prolétaires qui ont compris qu'on voulait les remplacer, qu'on voulu saisir le pourquoi de l'exil, le pourquoi de la France périphérique. Et ils sont ni racistes, même s'ils aiment le porc, ils sont pas anti-musulmans, même s'ils aiment le vin. Il dit je ne retrouve pas la France historique de mes luttes, de mes parents, cette joie de vivre, ce combat. Ce moment où au café, autour d'un verre de Côte-du-Rhône et d'un bout de saucisson, on refaisait le monde pour transformer la société. Le transformer la société doit disparaître. Donc on fait venir des gens d'une temporalité sociale qui, si elle a connu des mouvements sociaux, ignore le mouvement social d'anti-argent, d'anti-État, tel qu'on l'a connu en 68 et tel qu'on l'a connu à la Commune de Paris. Donc tous ces gens-là s'interrogent. Il se rappelle, j'avais un correspondant, je ne sais pas si je l'ai dit, qui me disait je me rappelle de ces villes où il n'y avait pas de digicode, je me rappelle de ces villes où tous les rez-de-chaussée étaient ouverts en permanence et où il y avait des fleurs, je me rappelle de ces villes où il y avait partout des bistrots, des cafés, où les gens se distribuaient des tracts, tous les gens, tout ça a disparu. Donc le prolo de base le sait, ça. Mais on lui a interdit de se poser la question. Et il allait se poser la question du grand remplacement d'une manière radicale. On l'a vu dans le mouvement des Gilets jaunes.
dans le mouvement des Gilets jaunes, dans la spontanéité radicale, les gens ont bien compris que la lutte de classe est supérieure aux luttes sociétales. Ça fait 20 ans que le capital, dans sa restructuration servile, nous dit vive les clientèles préférentielles de la discrimination positive. Les immigrés, les LGBT, le prolon, à un moment donné, il n'en peut plus. Ça ne correspond ni à mon vécu, ni à mon histoire. Donc, il faut comprendre que l'opération Zemmour, elle a pour objectif, au moment où cette compréhension du grand remplacement surgit, mais dans l'immanence du vécu des gens, de les clôturer dans quelque chose qui serait purement identitaire et qui ne déboucherait pas sur la lutte de classe. Au moment où la lutte de classe peut ressurgir en se posant la question du grand remplacement d'un point de vue subversif. Et là, alors je fais une toute petite référence à Marc qui me pose la question de l'armée de réserve. Marc me dit, mais c'est marrant, les gauchos, alors il ne parle pas des gauchos les plus incultes, il parle des gauchos les moins incultes ou des ultra-gauches les plus faussement cultivés. Il me dit, ces gens-là ne parlent jamais du livre premier, septième section, chapitre 25, sur le remplacement. Mais quand ils en parlent, ils font exprès de nier la teneur de la formule. La formule qu'emploie Marx, c'est pas dans la dynamique de modernisation du capital et de production de surnuméraires, on va remplacer trois petits salaires, on va remplacer un gros salaire par trois petits salaires. Marx emploie délibérément la formule, on va remplacer un Yankee par trois Chinois. Marx n'est pas débile. Quand il écrit, c'est ce qu'il écrit. Il n'a pas posé dans un hors-sol du marché-monde une simple transformation quantitative d'un gros salaire par trois petits salaires. Il les a identifiés par des temporalités critiques. Sauf que le gaucho de base, qu'a pas lu Hegel, le gaucho de base, qu'a pas lu Marx, il veut pas assumer cette compréhension radicale de la temporalité immobile et de la temporalité mobile. Marx, quand il parle de l'armée de réserve, il dit « on remplace une femme par un homme ». Une femme par un homme. Mais il ne dit pas « on remplace un gros salaire par trois petits salaires ». Il dit bien dans l'extériorisation du marché américain où il y a des luttes de classe avec des Yankees. Et qu'est-ce qu'un Yankee? Ça n'existe pas sur la terre américaine de l'Arizona, des Sioux et des Cheyennes, des Dakota et des Arapaho. Qu'est-ce qu'un Yankee quand Marx parle? C'est un Italien, c'est un Irlandais, c'est un Allemand. Donc, quand on remplace un Yankee par trois Chinois, ce n'est pas simplement une quantitativité salariale, comme voudraient le faire croire les gauchistes qui péniblement essayent d'aller regarder dans le livre premier, septième section, si on pourrait faire dire à Marx le contraire de ce qu'il a dit. C'est bien un problème de temporalité radicale. C'est bien un problème de temporalité radicale. Et c'est pareil, parce que Marx, à partir de là, il me dit, mais Marx ne parle jamais de l'homosexualité. Alors c'est faux. Dans sa correspondance en 1862, il fait une critique radicale de l'homosexualisme politique qui va surgir avec la domination réelle du capital. L'avortement est-il un droit ouvrier radical? Il n'y a pas un texte de Marx qui défend l'avortement. Et dans le manifeste, comme dans l'idéologie allemande, comme dans la correspondance, Marx dit « c'est nous qui défendons la famille contre le capital qui est une prostitution universelle ». Marx n'a jamais défendu l'avortement. Aujourd'hui, le premier gaucho débile qui est incapable de faire une critique radicale de l'armée de réserve immigrée au regard de ce que Marx dit dans le livre premier, septième section, chapitre 25, vous dit « le droit des femmes ». Il y a 250 000 femmes, et on retombe sur le livre premier, septième section, qui sont mises en situation d'avortement pour organiser le flux de la rentabilisation capitaliste sur la problématique des surnuméraires. Donc, qu'est-ce qu'un gauchiste libertaire, trotskiste, néo-mao, etc.? C'est quelqu'un qui s'interdit de lire le livre premier, septième section, chapitre 25, et qui, s'il le lit, le falsifie pour remettre la formulation des temporalités. Et qui, de toute manière, nie toute la radicalité des temporalités telle qu'elle est positionnée dans la Nouvelle Gazette rhénane, quand Marx dit « un mode de production ne vaut pas un mode de production, une religion ne vaut pas une religion, un prolétaire ne vaut pas un prolétaire ».
il y a des territoires de lutte de classe radicale et il y a des luttes de classe sur des territoires qui ne seront jamais radicales. Donc, là encore, on est face à plein de falsifications sur le LGBTisme, sur l'homosexualisme, sur l'immigrationnisme, sur l'émancipation féminine, sur tous ces trucs-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la nébuleuse gaucho, lutte de classe radicale pour abolir l'argent, l'État, pas un mot. C'est fini. Le capital a complètement digéré le gauchisme de la marchandise qui, depuis 68, l'a alimenté. Le gauchisme de la marchandise, il est aujourd'hui dans les laboratoires de recherche du CAC 40, puisque le CAC 40 est à l'avant-garde de la discrimination positive pour l'immigré, pour la femme et pour le LGBTisme. Et Marx a fait une critique radicale de tout ça. Et il a fait une critique tellement radicale de tout ça qu'elle est surdéterminée par le fait que jamais Marx n'ait produit une seule ligne pour le droit à l'avortement, pour l'homosexualité, pour le décolonial, etc. Puisque justement, même s'il critiquait la manière barbare dont la colonisation s'opérait, il disait toujours, et pour l'Afrique et pour l'Orient, qu'au-delà des massacres, ça faisait rentrer des continents de temporalité mobile, immobile dans l'ouverture de la lutte de classe de la temporalité mobile. Donc, si vous voulez, il faut bien comprendre que MEDEF gauchiste, c'est la même chose. MEDEF gauchiste, c'est la même chose. Et aujourd'hui, on a le meeting de Lille de Zemmour. Les antifas vont emmerder Zemmour, mais ils n'iront pas emmerder Pécresse ou Macron. Et ils n'iront même pas emmerder Hidalgo. Mais qui, en 1990, a validé la plus grande ratonnade de l'histoire avec la guerre d'Irak? C'est Tonton. Pourquoi les antifas ne vont pas avec des grandes banderoles voir Martine Aubry à Lille et Hidalgo à Paris pour lui dire mais Tonton, ton ancêtre, il a été celui qui a avalisé la ratonnade de millions de morts en Irak et de millions d'enfants irakiens morts. Donc on comprend bien que tout est bascule, tout est falsification, tout est inversion. Le gauchisme de la marchandise est l'imposture suprême. Et donc, on en parlait tout à l'heure, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, puisque aujourd'hui, la gauche a complètement avalé la droite. Et alors, on a aujourd'hui, à travers cette élection, des visions de la crise définitive du capital qui essaye de se restructurer. C'est-à-dire que le capital n'est pas monolithique. Le capital n'est pas monolithique. Il y a un cosmopolitisme de la marchandise qui est multipolaire et il y a un cosmopolitisme de la marchandise qui est unipolaire. Attali représente un cosmopolitisme de la marchandise unipolaire. Il veut un gouvernement mondial. Zemmour représente un cosmopolitisme de la marchandise pluripolaire. Il veut des souverainetés. Et c'est pareil pour le sionisme. Il y a un sionisme unipolaire avec Attali qui veut un gouvernement mondial à Jérusalem et on a un sionisme multipolaire avec Zemmour qui veut des entités souveraines. Et on a des organisations sionistes qui sont pro-attaliennes et on a des organisations sionistes qui sont pro-zemmouriennes. Mais nous, ça ne nous regarde pas. Nous sommes dans la trajectoire du groupe Marx Engels, la défense du patrimoine communiste radical. Donc, ni droite, ni gauche. Ni extrême gauche, ni extrême droite. Ça ne nous empêche pas d'être intelligents et de comprendre les méandres d'organisations qui se mettent ici ou là, qui se réorganisent et qui effectivement mettent en chantier les grandes fabulations et les grandes mystifications du trimestre qui vient. Il faut comprendre tout ça. Il faut comprendre ce qui se passe. Et comprendre ce qui se passe, c'est faire une critique radicale de toutes les mystifications de l'ordre démocratique qui veut effectivement continuer d'exister, alors même que la crise définitive de la valeur d'échange, sur les mois et les années qui vont avoir lieu, va rendre impossible sa reproduction. Pour revenir juste sur ce que disait Thibault sur l'immanence, on a reçu une question encore sur l'immanence et sur son rapport au complot. Souvent, dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est l'un ou l'autre. Mais l'immanence, c'est juste ce qui découle de la nature même des choses. Donc, et la nature même des choses, c'est la loi de la valorisation marchande. Et donc, les complots existent. Il ne s'agit pas de positionner l'immanence pour expliquer que les complots n'existent pas. Il faut juste comprendre que le complot est le produit d'une immanence. Et c'est pareil pour le coronavirus. Et c'est pour ça que le pass, par exemple,
Le but du pass, ce n'est pas de vacciner tout le monde. Le but du pass, c'est le but du capital qui est, comme il n'arrive pas à tourner sur le désir, a besoin de tourner sur la peur. Et donc, quelqu'un qui n'est pas vacciné pose problème au gouvernement maintenant, pas parce qu'il n'est pas vacciné, mais parce que c'est quelqu'un qui résiste à la peur, donc qui résiste au devenir nécessaire du capital. Et donc, il est insupportable et c'est l'ennemi absolu. Alors après, pour la Thibault parlait des... Et vous avez parlé aussi du décalage temporel au niveau des consciences. On va sans doute faire une émission dans quelques temps sur phase formelle, phase réelle de la crise du capital. La conscience, elle est le produit d'un rapport social à un moment donné. Quand la crise survient, la crise du capital, c'est l'impossibilité pour le capital de se reproduire, mais au début, tout en se reproduisant. C'est ça toute la difficulté. C'est-à-dire, il est, dans un premier temps, il est impossible, possible, en même temps. Et donc, face à ça, la conscience, qui est toujours dans ce capitalisme, qui est toujours possible finalement, veut se reproduire elle-même dans ce qui la produit, donc dans le capital. Et donc elle se produit de deux façons, soit par la soumission, comme disait Thibault, soit par l'insoumission dans le capital, retirez-nous cette obligation vaccinale. Mais dans un deuxième temps, tout ça se renverse, et là, la conscience devient possiblement radicale, et l'invalidation devient possible, possible. Mais on ne passe pas de l'impossible au possible. Il y a une phase de transition et de mélange qui est obligatoire. C'est comme dans tout dans la vie. Et pour revenir sur la prévision, on va peut-être parler de Rapallo, de ce qui se passe en Ukraine. On n'a pas parlé de ça. Parce que, et puis ça fait encore un lien avec l'élection, avec Zemmour. Dans la prévision immédiate telle qu'on l'a positionnée au début, on peut se dire... non, Rapallo, c'est décidément terminé. C'est plus possible. On détruit les capacités stratégiques militaires de la France, le nucléaire. Il y a une tétanisation idéologique qui fait qu'il est impossible de regarder vers la Russie. Et on peut se dire, si on porte un regard statique là-dessus, que c'est définitivement fini. Mais justement, la prévision, elle doit s'intéresser au seuil d'explosivité du moment, qui fait qu'il y a des moments où toutes les cartes peuvent être battues, et donc, en lien à l'élection, où un Zemmour peut émerger alors qu'on pourrait croire qu'il n'a aucune raison d'émerger parce qu'il est pro-russe par rapport aux autres. En tout cas, il a une ouverture vers la Russie. Et il explique, je l'ai entendu dire récemment, que l'Union européenne, c'était le chien-chien au patron Biden. C'est-à-dire que ça ne lui va pas, et il veut regarder vers la Russie. Et le grand remplacement, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on peut activer le grand remplacement. Vous disiez que ce n'est pas subversif, mais ça peut être utile d'un point de vue diversif, justement. À un moment, on peut activer un Zemmour s'il devient absolument nécessaire de détourner une lutte qui deviendrait radicale dans la crise qui approche de sa phase réelle vers une lutte horizontale de guerre des races. Donc tout ça, il faut s'imaginer que ce n'est pas un rapport de force de l'instant. Mais c'est un rapport de force de longue durée d'une totalité qu'on appelle le capital et qui peut jouer, comme vous disiez tout à l'heure, sur les différentes casaques qu'il a dans son jeu. Alors, par rapport à l'immanence, ça tombe bien parce que j'ai un correspondant avec qui on a de nombreuses discussions sur les guerres de religion et je vais prendre deux complots. Je vais prendre deux complots, c'est très très intéressant. Vous avez la nuit de la Saint-Barthélemy et puis vous avez l'assassinat du duc de Guise. On est dans le cadre des guerres de religion. On a une détermination sociale, on a une détermination historique. La Sicile ne deviendra jamais protestante. Le surgissement du calvinisme, compte tenu de la réalité de la rente foncière catholique en Sicile, c'est pas possible. Et il est évident que la Suède ne restera pas catholique, puisque compte tenu de son essor économique, de la réalité de sa puissance à la fois navale, commerciale et industrielle, elle va basculer dans un ressourcement vétérotestamentaire qui va la faire basculer sur une rente industrielle protestante. La France, elle est au carrefour. La France, elle est au carrefour. La France, à plusieurs reprises, a failli basculer dans le champ protestant parce que toutes ces élites financières, nobiliaires et commerçantes, pour basculer dans un essor d'accumulation supérieure, voulait se débarrasser de structures sociales trop liées à la rente foncière catholique.
Il y a deux grands moments, il y a deux grands moments où l'État français va être en situation de complot pour neutraliser les deux extrêmes. Les deux extrêmes, c'est le complot protestant et c'est les complots de la Ligue avec la famille de Guise. Henri III va bien organiser un complot au château de Blois où il va faire assassiner le duc de Guise. Il y a bien un complot. Et de la même manière, la reine de Médicis va, à un moment donné, après toute une série de magouilles entre le clan protestant, Coligny, le clan catholique, se dire « il faut que j'élimine la branche protestante la plus radicale ». Donc, la monarchie française, sur une courte séquence, va liquider le pôle extrémiste catholique et elle va liquider le pôle extrémiste huguenot. Ce sont des complots, ce sont des attentats, il y a des morts, on liquide l'adversaire. Mais ce n'est pas ce complot-là organisé par la monarchie française qui fait l'histoire. C'est la nécessité du développement historique à un moment donné par rapport à une situation qui n'est plus gérable dans la longue durée, qui nécessite de couper les branches des extrêmes qui instabilisent la monarchie classique qui est en train de se mettre en marche. La monarchie classique qui est en train de se mettre en marche, qui, après Henri IV, puis après Louis XIII, aboutira à Louis XIV, c'est cette monarchie centrale de l'ordre européen qui n'est ni la rente foncière catholique sicilienne du royaume de Naples en décomposition, ni la modernité industrielle élisabéthaine qui rompt avec la catholicité. C'est ce champ médian de la grande puissance classique qui est catholique, mais qui est industrieuse et moderne. Il a bien fallu, par le biais d'attentats étatiques, liquider la frange catholique extrémiste et la frange huguenote extrémiste. Il y a bien eu des complots, il y a bien eu des attentats, il y a bien eu des morts. Mais ce ne sont pas eux qui font l'histoire. C'est la nécessité historique qui fait qu'à un moment donné, il y a eu la nécessité de ce surgissement. C'est pareil, vous prenez le complot de la classe militaire classique en juillet 1944 contre Hitler, l'attentat Stauffenberg. L'attentat Stauffenberg, c'est un complot. Une partie de l'armée allemande se dit « on va à la catastrophe, il faut absolument liquider Hitler pour négocier une paix séparée avec les Américains ». Stauffenberg et toute une élite traditionnelle de l'armée allemande pré-nazie décide de tuer Hitler. Mais elle ne le fait pas en juillet 44, elle le fait en juillet 44, elle ne le fait pas en juin 41 ou en septembre 1940. À un moment dans la grande déstructuration de l'ordre militaire et politique hitlérien, une partie de la classe capitaliste dit « nous allons faire un complot contre Hitler pour essayer d'obtenir une paix séparée ». Mais ce n'est pas Stauffenberg qui décide en juillet 1944 « tiens, je vais faire un attentat contre Hitler ». C'est la structuration dialectique des forces productives de la réalité objective, économique et militaire allemande qui fait que Stauffenberg fait en juillet 1944 le choix de cet attentat, alors qu'il ne l'a pas fait un an avant. Donc, la problématique n'est pas de savoir si l'histoire est pleine de complots et d'attentats. On l'a déjà dit à plusieurs reprises depuis l'attentat de César, l'histoire est pleine de complots et d'attentats. Sauf que la pensée radicale ne reste pas agrippée au complot ou à l'attentat. Elle comprend que le complot et l'attentat, c'est un langage, c'est une grammaire, c'est une syntaxe, et que le complot n'a jamais de scénario autonome. Que le complot, l'attentat, il vient formaliser une nécessité historique à un moment donné, parce que le complot survient quand l'histoire s'accélère, et que la formulation de l'accélération nécessite un tranché rapide et extrême. Donc l'histoire est faite de complots et d'attentats, mais c'est l'histoire qui fait les complots et les attentats dans le cadre de la dialectique des forces productives, et si on n'a pas lu Hegel et si on n'a pas lu Marx, on ne peut pas le comprendre. On croit que les complots sont des petites bulles qui flottent dans l'air. Vous savez, l'enfant qui souffle et qu'on voit des bulles de savon. Il y a des trucs qui flottent comme ça s'appelle des complots. Non, les complots sont matériels, matériellement réalisés dans une histoire qui s'appelle la dialectique des forces productives. Et si vous voulez qu'on parle de Rapallo, justement, c'est très intéressant parce que vous avez dit
Zemmour a pour objet de faire diversion sur le grand remplacement, mais il a en même temps pour objet de tenter une résurgence de Rapallo. La gauche, pendant 30 ans, a organisé le grand remplacement, parce que la gauche a été le laboratoire de recherche du patronat après 68. Après 68, le patronat a voulu définitivement évacuer la grève sauvage radicale, et il a dit « Population laborieuse du Sud, sans conscience radicale, pouvant remettre en cause le salariat et l'État, venez, 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 venez. » Donc, ils sont venus, ils sont montés, et ils sont là. Et pendant 30 ans, on a dit aux gens « Fermez-la, ce que vous voyez n'existe pas. » Alors, c'est pareil par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'idéologie et la matérialité. Les gens peuvent accepter de ne pas voir ce qu'ils voient, mais à partir d'un certain quantum dialectique, même si on leur dit ce que tu vois, tu ne le vois pas, ça n'existe pas, ils le voient quand même. Donc, on a atteint un point crisique dans ce grand emplacement qui fait qu'effectivement, des quartiers entiers n'ont plus rien à voir avec le Paris communeux de Belleville et les insurrections ouvrières. C'est devenu des semi-Marrakech, des semi-Kaboul ou des semi-Kairouan. Donc, le type qui rentre le soir et qui voit ça et qui le voit, on a beau lui dire que ça s'appelle créolisation, que c'est très positif, il sait que du point de vue de la réalité des luttes de classe à venir, ce sont des lieux contre-révolutionnaires. Ce sont des lieux structurellement contre-révolutionnaires. Donc, maintenant que des masses entières de prolétaires risquent de déboucher sur une compréhension radicale du grand remplacement, on peut produire une compréhension réactionnaire officielle, autorisée du grand remplacement. Parce que le type qui dit « mais moi, je veux pas ça, moi. Je me bats pour une communauté ouvrière qui crée un autre monde. » Ça, c'est dangereux. Mais si on le parque dans le zoo identitaire des tribalismes, on lui dit « mais non, tu es un Gaulois traditionnel de rénovation de la politique et de l'économie. » Ça, c'est plausible. Ça, c'est acceptable. Donc, on veut parquer l'histoire prolétarienne française dans un zoo identitaire réformiste, souverainiste, qui voudra retourner à une ancienne France avec une économie rénovée, avec une politique rénovée, mais qui ne devra jamais aller vers l'abolition radicale du salariat et de l'État. Donc, quand on a dit à diverses reprises que la guerre des races était un moyen diversif pour le capital de neutraliser la guerre des classes, c'est ça. Nous appelons, le prolétariat universel, à se manifester. Nous appelons tous les prolétaires qui vivent sur cet hexagone à renouer avec l'histoire communeuse de la radicalité insurrectionnelle pour enclencher la grève sauvage universelle contre l'État et contre le salariat. Si on va distribuer un tract sur l'abolition du salariat à Roubaix, à Trappes ou à Vaux-en-Velin, on a fort peu de chances qu'il soit compris. Mais pour empêcher que ce même tract distribué dans des zones ouvrières soit compris, il faut revitaliser l'idée d'une possible communauté nationale traditionnelle française. Donc, Roubaix, Vaux-en-Velin, Trappes, c'est sûr que l'abolition du salariat, ça ne peut pas être compris. Mais pour empêcher que ça puisse ressurgir dans la communauté ouvrière des exilés gilets jaunes de la France périphérique, il faut les parquer dans les ateliers constituants du souverainisme s'ils veulent aller assez loin. S'ils ne veulent pas aller trop loin, on va leur dire « mais on va vous la refaire, votre communauté française traditionnelle. Vous allez revivre une France dont vous serez fiers. » On va vous recréer une économie politique, vous allez retrouver une famille nationale, on va faire renaître le roman national. Donc, Zemmour-Mélenchon, même combat. Mélenchon, il est là pour clientéliser les parquets islamo-gauchistes du capital qui sont contre-révolutionnaires dans la discrimination positive pro-immigrés, et Zemmour doit parquer les prolétaires français qui reprendraient goût à l'histoire pour que cette histoire ne débouche pas sur le goût radical de l'histoire radicale, mais qu'elle soit parquée dans un truc politique et économique de souveraineté française. Donc la boucle est bouclée. Mais il faut comprendre que tout ça a son sens. Et dans le même temps, alors que l'idée d'une alliance franco-russe est très, très épisodique en termes généraux dans la classe politique en décomposition, on la voit plus ou moins ressurgir de manière plus prégnante chez Marine Le Pen et
chez Zemmour. Pourquoi? Parce que le cosmopolitisme de la marchandise qui n'a pas d'état-major, qui ne fait pas de complot, qui n'a pas d'intelligence historique, a quand même un instinct immédiat, un petit pif techniciste. Et on sait que de la même manière que le gaullisme a eu un électorat populaire, pour aussi neutraliser la lutte de classe, l'idée qu'il y aurait un électorat populaire de Marine et de Zemmour neutralisé est intéressant. Le premier parti ouvrier de France, c'est l'abstention. Mais il y a deux autres partis ouvriers, c'est Marine Le Pen et Zemmour. Tous ces déclassés de la France périphérique qui se rendent compte qu'on les déclasse, s'ils n'acceptent pas la compréhension révolutionnaire du déclassement, ils vont chez Marine et ils vont chez Zemmour. Mais il faut structurer ça dans une géopolitique possible. Et c'est là où on voit réapparaître Rapallo. Donc, si vous voulez, on en reparlera. Pourquoi Rapallo, au cours de l'histoire, ça revient, ça repart, ça ressurgit. Et pourquoi Rapallo est, quelque part, le seul danger géopolitique pour l'ordre américain. Et Francis, je ne sais pas si vous venez de parler de Roubaix. Effectivement, il y a eu dans l'actualité, il y a eu un reportage là, de Zone Interdite sur Roubaix et sur des poupées sans visage qui sont vendues. Et effectivement, on avait une question d'un auditeur là-dessus qui se demandait qu'est-ce que ça dit finalement du rapport de l'islam au corps ou au monde, puisqu'il n'y a même pas la possibilité de représenter même un visage d'enfant là-dessus. Et ça fait sens avec la dernière émission sur le Christ radical qu'on a fait, parce qu'effectivement, dans la chrétienté, on donne, vu avec l'incarnation, on donne un visage au divin, alors que finalement l'islam va interdire tout ça. Est-ce alors, que vous pouvez peut-être en parler? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une... Alors, j'ai volontairement repositionné ça dans du spectacle fétichiste de la marchandise mondiale et de sa crise finale en reprenant la statue grecque, ce qu'en dit Hegel, ce qu'en dit Marx, et ce qu'il dit du visage et ce qu'il dit du corps. C'est-à-dire qu'il y a une opposition radicale entre le logos et le judaïsme, et l'islam n'est qu'un produit du judaïsme. Il n'y a pas de sculpture juive, il n'y a pas de sculpture islamique, c'est impossible. C'est impossible parce que faire sculpture, c'est marquer une formalité physique qui dit qu'il n'y a pas la ligne frontière entre le vivant, la forme, la substance, le fini, l'infini. Le judaïsme classique interdit la statue. L'islam interdit la statue. Le protestantisme, en tant que retourne vétérotestamentaire, judéo-protestant sur la rente foncière catholique pendant les guerres de religion, interdit la statuaire. Que font les milices huguenotes quand elles rentrent dans une église? Elles décapitent les statues des saints et les statues de la Vierge Marie. Donc il y a un rapport entre le judéo-protestantisme et l'islam, il y a un rapport entre Luther, Calvin et l'islam. Et d'ailleurs, ce qui est très très intéressant, c'est que la guerre des paysans avec Munzer, et qui est une lutte anabaptiste qui vient du protestantisme, est une lutte protestante qui sort du protestantisme. C'est-à-dire que le judaïsme, l'islam et le protestantisme classique sont substantiellement contre-révolutionnaires, puisqu'ils sont l'apologie de la réalisation de l'homme dans la réalité de ce monde-ci par la fructification des biens de ce monde. La structure radicale des jacqueries paysannes et paysannes qui disent « à bas l'argent, à bas l'État », Munzer, c'est des protestants qui sortent du protestantisme, et toutes les dialectiques paysannes communeuses, c'est la radicalité qui sort du catholicisme pour la remettre en cause. Donc, faut bien comprendre que le visage ne dit pas qu'un visage. Le visage, il dit la puissance, l'amour, la caresse, la volupté, la radicalité, la révolution. Et judaïsme et islam produisent un interdit de cette formalisation parce qu'ils produisent eux-mêmes, à la fin de leur destination, un interdit de la formalisation révolutionnaire. Quand Hegel dit « la statue grecque
est co-substantielle de l'âme grecque. La statue grecque, le visage grec, ce n'est pas quelque chose qui rend témoignage à côté de la vie, de la beauté de la vie. Il est la vie elle-même qui s'empare de la vie et qui se formalise dans un acte de transcendance pour dire c'est l'homme qui fait l'histoire parce que le fini est porteur d'infini et c'est l'humain qui est porteur du divin. Et l'islam ne peut pas accepter ça parce que l'islam n'est qu'une simple forme aménagée du judaïsme. On l'a vu dans notre émission sur la nativité communeuse du Christ radical. Quelle est la ligne frontière radicale entre le logos grec, le Christ radical et tout le reste? C'est l'incapacité à accéder à l'infini. Alors, il y a des civilisations aliénatoires qui tolèrent la statue. Si vous allez à Angkor, il y a des statues. Si vous allez chez les Mayas, il y a des statues. Si vous allez en Égypte, il y a des statues. Mais elles sont lourdes, elles sont pesantes, elles n'ont pas de sensualité. Elles disent le poids de la temporalité fermée. Il n'y a qu'une seule statue au monde qui dit le mouvement, l'infini, l'érotisme. C'est la statue grecque, nous dit Hegel. Et qu'est-ce que nous dit Marx? Marx nous dit que l'art grec et l'épopée, qui sont quelque part la formalisation du sortir de soi du visage grec, qui prend sa signification et sa connaissance, c'est la forme indépassable du témoignage d'histoire qu'il y a dans la réalité historique. Donc, derrière les poupées de Roubaix, on a l'ordre islamique, on a l'ordre juif, on a l'ordre judéo-protestant. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, vous avez des protestants et des juifs qui peuvent avoir des statues chez eux. Mais tout ça vient de la force du christianisme révolutionnaire qui a fait péter le judaïsme et qui, par son retour insurrectionnel, a fait péter le judéo-protestantisme. Mais ce rigorisme protestant et juif qu'on retrouve dans l'islam, la statue, c'est impossible. La statue, c'est un peu... Et alors le visage de la poupée, vous avez sous le poids de l'histoire incandescente du devenir mondial, vous avez aujourd'hui plein de juifs et plein de musulmans qui ont des poupées à visage. Les poupées de Roubaix sans visage, c'est le retour du refoulé. Mais ça dit toute la substance d'un monde qui ne peut pas comprendre l'érotisme, la subversion, le désir et la radicalité. Le visage grec dit l'infini. Le visage grec dit l'infini. La statuaire européenne radicale dit l'infini. Parce que derrière cette histoire, parce que l'histoire des statues peut être contre-révolutionnaire. C'est-à-dire que les statues de Michel-Ange ne sont pas faites par Michel-Ange pour l'appel à l'abolition du salariat. Ce que nous disent Hegel et Marx, c'est qu'il faut lire. Il faut lire ce que dit la statue, indépendamment de ce qu'elle dit, à travers celui qui l'a faite, et tel qu'il a voulu dire quelque chose à travers elle. Il y a un continent inconscient dans la statue, il y a un continent inconscient dans l'infini, le visage, l'épaule, la fesse. La statue dit l'harmonie du monde, mais le visage, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus expressif, c'est ce qu'il y a de plus signifiant. Et si la femme juive est casquée derrière une perruque, si la femme musulmane est cachée derrière un voile, et si les poupées ne doivent pas exprimer le visage, le corps est un danger pour le juif, pour le musulman, pour le protestant. Le corps, c'est problématique, ça peut être dangereux. Le corps est par lui-même un attentat à la pudeur. Pour un grec, le corps est la beauté suprême, et le visage, c'est pareil. Une poupée pour un enfant, c'est tout un imaginaire, c'est toute une perception, c'est toute une créativité qui positionne la translation du fini vers l'infini et de l'infini vers le fini. Une poupée sans visage, elle marque l'infini des limites, des frontières, ce qui peut être regardé, ce qui ne peut pas être regardé. C'est-à-dire que vous avez des structurations religieuses aliénatoires, dit Marx, comme le judaïsme et l'islam, qui se résume à des interdits. Accepter la parole d'obligation,
c'est accepter l'obligation d'une parole qui interdit plein de comportements. Si je suis un bon craignant Dieu, pour Hachem ou pour Allah, faut pas que je fasse ça, faut pas que je fasse ça, faut que je fasse comme ça, faut que je fasse comme ça, faut pas que je fasse comme ça, faut pas que je fasse comme ça. Et si je suis grec, ben je suis grec. Et si je suis dans la dynamique du Christ radical, je suis dans l'amour de l'être. Faut comprendre le poids contre-révolutionnaire de l'interdit. Tu dois pas manger ça. Tu dois faire ça. En islam, comme en territoire judaïque, quand la femme a ses règles, elle est impure. Ça ne viendrait jamais à aucun grec qui aime le corps, qui aime le visage, qui aime la signification de se dire qu'une femme est impure parce qu'elle a ses règles. Mais moins je discerne le désir, moins je discerne la révolution, moins je discerne le plaisir. Je n'ai donc pas d'immanence. Nous parlions tout à l'heure de l'immanence. Qu'est-ce que l'immanence ? L'immanence, c'est l'automouvement. Dans l'immanence, je n'ai pas à me poser la question de ce que je vais faire. Je fais dans l'immanence du désir, dans la transparence de la conscience. L'homme grec, qui est l'homme du logos, qui va au manifeste communiste, c'est l'homme du « il est interdit d'interdire ». Il est interdit d'interdire à la pensée de penser. Il est interdit d'interdire au désir d'être désir. Alors, je précise tout de suite contre le gauchisme de la marchandise qu'il est interdit d'interdire du point de vue du désir de l'ontologie radicale et non pas de la fétichisation marchande des prédations sexuelles sur les femmes, sur les enfants, sur le pouvoir, sur les téléphones portables, etc. Je parle du « il est interdit d'interdire » du point de vue de l'ontologie, de l'immanence radicale, du vrai désir subversif. Donc, ce qui résume « il est interdit d'interdire » du point de vue du logos, c'est déjà chez Héraclite. C'est chez Marx dans le texte de la censure de 1842 et c'est chez Rosa Luxembourg dans les textes de 1910. Ce qui fait que nous sommes communistes, c'est que nous savons que nous faisons confiance au désir de l'homme, au désir du visage de l'homme, au désir des yeux de l'homme, au désir de la bouche de l'homme, au désir de la formalisation de la sculpture du corps de l'homme. Et donc, les poupées de Roubaix, c'est tout l'ordre vétérotestamentaire du monothéisme de la valeur d'échange, c'est la pointe la plus extrême de la bêtise aliénatoire qui a tellement peur de la vie qu'elle est obligée de cacher le visage de la vie. Alors, il y a cet aspect sur le corps, et après il y a l'aspect qui est lié à l'État et à la crise d'ailleurs. Parce qu'on disait tout à l'heure que maintenant le capital ne tourne plus sur le désir mais sur la peur. Donc, il a une population parfaitement adéquate par ce remplacement immanent, justement, même s'il est organisé, mais immanent, comme on l'expliquait tout à l'heure, qui fait qu'il est beaucoup plus adéquat maintenant, dans la crise, d'avoir des gens qui sont des craignants Dieu, même s'il est miséricordieux, très, très, très miséricordieux tout le temps, mais il fait quand même très, très peur. Et donc, c'est toujours mieux d'avoir ça que des gens qui pouvaient tourner sur le désir aliéné, certes, sous le mode grec. Et donc, d'ailleurs, ça fait le lien avec une autre question. Vous avez parlé tout à l'heure des Yankees, des Chinois, mais on peut remplacer le Chinois pour ce qui nous concerne par le musulman. On avait une question sur le capital a-t-il pu finalement dénaturer les humains de France au point d'en avoir fait des soumis éternels ? Et donc, c'est Franck qui précise des Chinois en quelque sorte. Donc, pour nous, on pourrait dire des musulmans. Le capital, enfin vous préciserez, Francis, mais le capital, il peut tout dénaturer sur la longue durée. Il va peut-être manquer de temps avec la crise, mais ce qu'il faut se dire, c'est que, à supposer même qu'il dénature et que la France devienne musulmane, ça ne change rien à la question de la crise, qui fait que de toute façon, le capital est condamné. Il y a les deux instances, quoi. Il y a la conscience de la population qui est là sur un territoire, et au final, ce qui surviendra, quelle que soit cette population. Alors, si vous voulez, d'abord, la France ne deviendra pas musulmane parce que le niveau des contradictions du capital fait qu'il y aura un surgissement de lutte de classe. Et que, alors, si vous voulez, j'ai aussi une question qui est intéressante là-dessus.
C'est une question de Jeanne par rapport à un certain nombre. Alors, je ne vais pas énumérer. Samir a tué à Reims. Shaina a été brûlée vive. Bon, tous les mois, on a plein de femmes massacrées. Tous les mois, on a plein de femmes massacrées. On a des gens lynchés, on a des gens matraqués dans les quartiers. Mais les milices ouvrières vont nettoyer tout ça. Lors de l'insurrection ouvrière en 36-37 à Barcelone, la pègre, elle a été liquidée rapidement. Quand vous lisez Catalogue libre ou Hommage à la Catalogne selon les titres, il vous explique très bien comment les milices ouvrières ont nettoyé la pègre du port. Et là encore, les gauchos décomposés, qui ne veulent pas qu'on parle de l'armée de réserve immigrée, qui vont trafiquer le texte de Marx pour nous dire que ce ne seraient pas des Chinois et des temporalités immobiles, mais qui adorent nous parler de la peine de mort, mais qui n'ont jamais rien à dire quand Shaïna est brûlée vive. Parce que ça impliquerait de désigner celui qui l'a brûlée vive. Rappelez-vous ce que dit Marx sur le lumpenprolétariat, en reprenant ce que dit Engels dans La guerre des paysans, et ce qu'il reprend dans les journées de juin 48. Les milices ouvrières n'étaient absolument pas gênées de mettre un écriteau à la racaille, mort aux voleurs. Les milices ouvrières, quand elles reprendront les quartiers aux polices racailleuses de la CAM et du trafic, qui ne sont que les alliés de la racaille du haut, elles nettoieront. La guerre de classe va nettoyer ces quartiers-là. Quand la dictature anti-étatique du prolétariat va abolir l'argent et qu'elle va détruire le pouvoir des banques, elle ne va pas dire on détruit le pouvoir des banques, mais alors les petits trafics, c'est sympathique et exotique, oh ben ça on les garde. Les petits trafics comme les gros trafics, parce qu'en plus les petits trafics sont complices des hauts trafics, les milices ouvrières nettoieront les quartiers. Et ça, Marx nous le dit, c'est une ligne de classe radicale. Le rapport du prolétariat et des groupes ouvriers radicaux à la racaille et au lumpenprolétariat. On mesure l'exigence de vérité révolutionnaire d'un groupe à la manière dont il entend traiter la réalité objective des racailles du bas, complices des racailles du haut. Les trafiquants de la CAM en bas et les grands banquiers cossus en haut. Donc ça, c'est une question décisive. Alors donc, d'une part, les contradictions sociales font que, et c'est d'ailleurs ce qu'il faut comprendre, l'irruption de Zemmour sur la scène publique, c'est que le capital, même s'il n'est pas intelligent, il prend les températures de l'instant. Il sait qu'il y a une guerre sociale qui est en train d'arriver. Il sait qu'il y a une guerre sociale qui est en train d'arriver. Et que, puisque depuis 30 ans, il a laissé les polices racailleuses du bas prendre les pouvoirs dans les quartiers de la thune et du trafic. La colère ouvrière qui est en train de monter, un jour, va s'insurger en autodéfense radicale. Et le prolétariat, de la même manière qu'il va s'armer en conscience radicale, va s'armer en pratique réelle de refus de cette réalité-là. Le chauffeur de Bayonne assassiné il y a un an. Le chauffeur de bus, place de la Bastille. Massacré à coups de poing par un paumé racailleux. Tension sociale, devenir. Un jour, il va se créer un groupe à la RATP de 20 ou 30 copains qui vont aller eux-mêmes nettoyer le quartier près du dépôt RATP où il y a des racailleux qui les attaquent. La spontanéité ouvrière, elle va jouer dans les usines pour s'insurger contre le salariat et l'État. Mais un jour, dans une compagnie de bus, dans une compagnie de tramway, il y aura une autodéfense ouvrière contre les racailles. Et on a des tas de rapports de police qui arrivent à l'Élysée, qui arrivent à Matignon. Matignon et l'Élysée sont bêtes, n'ont pas de culture. Ce sont des banquiers larbins du cosmopolitisme de la marchandise. Ce sont des analphabètes du grec et du latin. Ils n'ont aucune conscience historique. Mais les services qui n'ont pas de culture sont capables de faire de la statistique. Les statistiques remontent. La prise de température des quartiers ouvriers, elle se fait. Tout le monde sait que ça devient de plus en plus insupportable et qu'un jour, les groupes ouvriers vont se mettre eux-mêmes à faire la chasse à la racaille du bas, dans le même temps où ils feront la chasse à la racaille du haut. Donc, c'est déjà en train de monter. Donc,
S'imaginer que le grand remplacement va aller jusqu'au bout pour voiler toutes les villes de France dans cette houma de servitude dont le capital a besoin pour qu'il n'y ait plus de grève sauvage dans les entreprises, c'est se tromper. Il va se passer quelque chose qui sera feu social. Mais je reprends votre exemple théorique. À supposer qu'un jour, la grève sauvage soit définitivement impossible dans un climat culturel français où il n'y aurait plus de bistrot communard, mais il n'y aurait plus que des kebabs de soumission. Effectivement, ça ne change rien à la baisse du taux de profit, à la matérialité concrète de la reproduction des forces de production et des forces sociales, et immanquablement, la dictature de la valeur fera péter elle-même le carcan islamique. Et on retrouvera des consommateurs, comme les consommateurs européens, qui redécouvriront la commune avec décalé, mais qui la redécouvriront de toute manière, parce que la commune n'est pas une biologie, c'est une archéologie sociale. Donc, le capital peut éventuellement gagner du temps en accélérant les choses de ce point de vue-là, mais il y a une chose que le capital ne pourra jamais abolir, c'est la loi de la baisse du taux de profit. Que la population soit d'origine afghane, que la population soit d'origine tunisienne ou qu'elle soit d'origine suédoise ou finlandaise, si Paris, Lyon, Marseille sont totalement grands remplacés, la loi de la baisse du taux de profit continue à travailler. Certes, elle a gagné une temporalité, elle a gagné plusieurs séquences, mais à un moment donné, elle se retrouve face à elle-même dans la nullité objective et irrémédiable du fait que la composition organique rend impossible la valorisation, parce que précisément la dévalorisation est devenue le substrat incontournable des choses. Alors, il y a une autre thématique intéressante à traiter, qui c'est sans transition, mais c'est la hausse des taux à venir. Et donc, l'inflation d'apparence qui existe en ce moment, parce qu'on a beaucoup de questions là-dessus. Donc, effectivement, la suraccumulation du capital dans ces dernières années a produit la mise en friche globale qu'on a connue ces deux dernières années avec le Covid. Et donc, on a un redémarrage qui est factice dans des surcoûts, donc dans une inflation. Et c'est une inflation d'apparence, effectivement. Donc, on comprend bien pour l'inflation. Mais la question qu'on se pose, c'est sur les taux d'intérêt, parce qu'effectivement, il y a la baisse du taux de profit qui est là, et on aperçoit aussi des taux d'intérêt qui remontent, entre guillemets. On a vu ça en Allemagne avec le 10 ans allemand, je crois, etc. Donc, est-ce que ça a une importance en soi? Parce que Francis, c'est vrai qu'on nous a remonté que vous avez écrit ça il y a 50 ans. Vous avez écrit, alors je pense que justement, c'était à dessein, que l'augmentation des taux fera tout exploser parce que ça rendra impossible le remboursement de la dette. Donc, je ne sais pas si vous voulez en parler un petit peu à la fois de l'inflation et aussi de cette hausse des taux en apparence qui a l'air de. Si vous voulez, on va en parler un petit peu, mais bon, c'est à la fois quelque chose de complexe et c'est quelque chose qui nécessite une large étendue. Donc moi, je renvoie plutôt les auditeurs au dernier bouquin du spectacle fétichiste de la marchandise mondiale et de sa crise finale, parce que contrairement à l'économie empirique, on se focalise pas sur l'instant et on se focalise pas sur les quantités. Si vous allez lire la presse dite spécialisée, économique, bancaire ou boursière, c'est ce que dit Marx. On est focalisé sur l'aiguille de la boussole. Alors, on vous dit les taux sont arrêtés, les taux sont négatifs, les taux sont repartis. Tiens, cette semaine, le CAC 40 a perdu 4,5 points, etc. Or, tout ça ne veut rien dire. Ce que nous dit Marx, c'est qu'il y a le substrat, il y a le substrat fondamental. Et le substrat fondamental, quand on dit les taux d'intérêt sont négatifs, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de voir que sur une période, dans toutes les banques centrales, les taux sont devenus négatifs. Ça, c'est l'apparence. Nous, on travaille à partir du capital et dans sa relation au Grundrisse sur l'essence conceptualisée de ce qui est en le dessous. Tout à l'heure, avec Michel, on a posé la question de la prévision et on a dit percevoir cette insurrection prolétaire qui s'annonce. Nous percevons cette insurrection prolétaire qui s'annonce et qui ne se voit pas. Donc, il ne faut surtout pas partir dans de l'empirie
visuelle sur les taux bancaires. Alors là, en Italie, ça a rebougé à la baisse. En Allemagne, ça remonte. C'est l'empirie surfacière de la presse économique boursière au quotidien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui ne se voit pas. C'est ce qui ne se voit pas. On ne fait pas de l'économie boursière critique. On ne fait pas de l'économie commerciale critique. On fait une critique radicale de l'économie boursière, de l'économie commerciale et de l'économie bancaire ou industrielle. Donc, quand nous, on a dit les taux d'intérêt négatifs, on n'a pas parlé des taux d'intérêt négatifs dans leur phénoménologie bancaire, telle que c'est ce que l'on constate dans les banques centrales. Même si nous avons dit, tiens, ce qui se passe maintenant dans l'empirie visuelle des banques centrales, ça confirme. Notre analyse des taux négatifs, c'est sur la problématique du loyer de l'argent tel qu'il est positionné dans la contradiction travail vivant, travail mort. Notre repère, ce n'est pas ce qui se passe au niveau des banques. Notre repère, c'est ce qui se passe au niveau de la contradiction fondamentale de la baisse du taux de profit qui nous permet de prévoir ce qui se passe dans les banques, mais que les banquiers eux-mêmes ne comprennent pas. Vous avez aujourd'hui toute une série de vidéos ou de journaux qui vous parlent des taux d'intérêt négatifs, du ça va redémarrer, ça va pas redémarrer, ici ça bouge. Là, on est dans une empirie d'écume des choses qui ne va nulle part. Alors maintenant, pour l'inflation, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on n'a pas l'inflation massive que l'on a eue dans les années 1980-90, quand Raymond Barre a été appelé par Giscard pour neutraliser une inflation systémique qui était une inflation des prix, qui était une inflation des salaires et qui était donc la réalité d'une dévalorisation monétaire. Parce qu'il faut toujours se rappeler que l'inflation, ce n'est pas le fait que les prix montent. L'inflation, c'est que la monnaie se dévalorise. Et nous n'analysons pas la dévalorisation monétaire par rapport au fait que les prix montent. Nous analysons la dévalorisation monétaire par rapport à la dévalorisation de la suraccumulation du capital. Donc, certes, on peut dire que ici ça bouge, là ça monte, là ça descend, mais ce n'est absolument pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre que derrière les taux négatifs tels qu'ils sont matérialisés par les taux visuels des banques centrales, c'est le taux du loyer de l'argent, de la dévalorisation au niveau de suraccumulation du capital qui a produit la paralysie. Taux d'intérêt négatif, c'est un quantitatif. Mais ce quantitatif nous importe peu. Le fait que les taux soient négatifs, c'est l'indicateur d'autre chose. Donc, ce qui retient notre attention, ce n'est pas que les taux soient négatifs, c'est le pourquoi de la dévalorisation du capital en fonction de la baisse du taux de profit. Alors là, ça gigote un peu à droite, le CAC 40 a perdu, les taux allemands ont remonté, les taux italiens ont rebaissé, mais le sujet central pour comprendre ce qui constitue l'identité profonde des taux d'intérêt négatifs, c'est pas ça. C'est que l'économie a redémarré en circulation périphérique pour administrer le quotidien de la circulation mondiale, mais rien n'a redémarré centralement. Et donc, on a non pas une inflation de type classique avec une dévalorisation généralisée qui serait enclenchante d'augmentation de salaire. On a au contraire une surexploitation organisée, puisque les salaires ne bougent pas, les pensions ne bougent pas, et on a donc une augmentation des prix qui redémarre parce que la mise en friche a tout bloqué et que le redémarrage est inégalitaire en fonction de la division internationale du travail. Mais rien n'a bougé, rien n'a bougé quant à l'immobilité globale du marché mondial. Et peu importe que les taux zigzaguent dans un sens ou dans un autre au niveau d'une banque centrale, c'est la matrice mondiale qui fait qu'aujourd'hui, il y a une paralysie globale du loyer de l'argent qui produit des taux d'intérêt qui sont paralysés. Peut-être pour finir, pour pas être trop long, on pourrait revenir rapidement sur Rapallo. Voilà, Et bah donc, parce que moi j'avais beaucoup de questions là-dessus. Oui. bah, allez-y si vous voulez, mais c'est intéressant de voir quand même qu'au moment où Nord Stream 2, donc le gazoduc qui passe par la mer Baltique directement jusqu'en Allemagne, s'est terminé, ça doit être en septembre dernier, ça y est, on réactive une tension énorme vis-à-vis de la Russie qui va finir par amener la nécessité pour les Allemands de renoncer à Nord Stream 2. Alors, quand on dit Rapallo, il y a quelque chose d'intéressant. Il faut quand même se rappeler que il y a moins de 30 ans, l'OTAN bombardait la Serbie.
avec l'accord de la France et l'accord de Berlin. Les bombardements sur la Serbie au moment de la grande mise en scène du Kosovo, c'était déjà ce que l'on peut comprendre comme une mise en perspective en tir à palot. Mais alors, qu'est-ce que Rapallo? Alors, nous ferons une émission théorique spécifique sur Rapallo, parce que, bon, Rapallo, c'est ce fameux traité de Rapallo en 1920, dans sa géographie politique concrète, mais c'est une articulation dialectique permanente, Rapallo. Qu'est-ce que c'est Rapallo? Rapallo, c'est la Russie staliniste et l'Allemagne de Weimar qui s'allient contre l'ordre qui est issu du traité de Versailles. Bon, ça, c'est la chronologie du Rapallo tel qu'il a existé dans son appellation traité de Rapallo. Mais le traité de Rapallo, c'est une constance de l'histoire. Le traité de Rapallo, c'est la compréhension stratégique dans la géopolitique de la valorisation capitaliste et même de la prévalorisation capitaliste, qu'il y a un axe stratégique invincible, invincible à l'échelle de l'histoire, qui est l'axe Paris-Vladivostok. Alors, Paris-Vladivostok, c'est déjà le 19e siècle, quand Paul Ier, tsar de toutes les Russies, est assassiné par les services secrets britanniques parce qu'il a songé à s'allier à la France. Les services secrets anglais, alors voilà un complot, pour reprendre ce que disait tout à l'heure Thibault. Il y a un complot, Paul Ier, tsar de toutes les Russies, est assassiné par le MI6 de l'époque au Kremlin. Enfin non, d'ailleurs, ce n'est pas au Kremlin, parce qu'à l'époque, la capitale avait été déplacée sur Pétrograd. Donc je crois qu'il est assassiné à Pétrograd. Donc les services secrets, le MI6 de l'époque, assassinent Paul Ier. C'est un complot. Et c'est un complot qui n'existe que parce qu'il y a une configuration stratégique dans le développement des forces productives mondiales et que l'Angleterre sait qu'elle perd toute sa préséance commerciale, militaire et navale si Paris et Pétrograd, Moscou, s'unissent. Paul Ier est exécuté. C'est son fils Alexandre Ier, je crois, qui prend la suite. Mais Alexandre Ier va essayer de renouer la politique de son père, puisque avec l'entretien du Niémen, il veut reconstituer une politique avec Napoléon qui allierait la Russie à la France. La police, les services secrets anglais, l'argent anglais vont neutraliser cette opération-là, et finalement Alexandre Ier se retrouvera dans l'alliance des alliés contre Napoléon. Mais donc, faut bien voir que ce traité de Rapallo qui a surgi en 1920, il est déjà souterrain dans la dialectique des forces productives de 1810. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est, quand on a lu Clausewitz, quand on a lu Hegel et quand on a lu Marx, la compréhension d'une continuité géostratégique qui produit une manifestation qui, par la synthèse terrestre et navale de tout ce qui économiquement est contenu dans cet espace, fait que cet espace est le plus fort espace mondial. Quelle est la première puissance mondiale? Quelle est la première puissance mondiale dans le devenir dialectique des forces productives? C'est l'alliance stratégique entre l'Europe occidentale et la Russie. Imaginez si le pacte germano-soviétique de 1939, si le pacte germano-soviétique de 1939 n'avait pas été cassé par l'invasion des troupes allemandes en Union soviétique en 1941. Au moment où les troupes allemandes attaquent la Russie, alors je mets de côté le fameux bouquin de Souvorov, le brise-glace, c'était les Allemands qui étaient attaqués parce que les Russes étaient en train de préparer une vaste attaque sur l'Occident, etc. Bon, on met de côté tout ça, on en reparlera dans l'émission spécifique sur le traité de Rapallo, mais en décembre 40, en décembre 40, l'Allemagne maîtrise toute l'Europe de l'Ouest. La Russie maîtrise toute l'Europe de l'Est et va jusqu'aux plaines sibériennes qui conduisent à Vladivostok. Imaginons que cet accord, le pacte germano-soviétique, n'ait pas été cassé.
n'y a pas d'invasion de la Russie et il n'y a jamais de débarquement américain le 6 juin 1944. On a là une puissance européenne occidentale qui, technologiquement, est la première puissance mondiale, et on a un espace capitaliste soviétique, staliniste, archaïque, mais avec du pétrole, du gaz, des minéraux. On a tout ce qu'il faut à la On a une puissance technologique allemande qui a tout ce qu'elle, dont, qui a tout ce dont elle rêve en matière première, et on a un espace bureaucratique stalinien qui est complètement archaïque, mais qui peut accéder à toute la technologie dont il a besoin. On a donc une unité dialectique qui est invincible. Les Américains, dans le développement de leur impérialisme, ont compris que le seul ennemi qu'ils avaient à l'échelle planétaire, ce n'était pas la Russie, ce n'était pas l'Europe, mais c'était la combinaison des deux dans une unité stratégique qui deviendrait unitaire. Donc toute la politique impérialiste de Washington est, depuis les années 30, d'empêcher cette unité. D'empêcher cette unité. Cette unité qui est stratégique parce que le seul adversaire technologique de l'Amérique, c'est l'Europe. Et c'est l'Allemagne. Je rappelle que en 1945, la CIA envoie à Peenemünde plusieurs centaines de camions ramasser toutes les archives du centre de recherche de Von Braun. Sans le développement militaire allemand planifié par Von Braun à Peenemünde, il n'y a pas de projet Spoutnik et il n'y a pas de projet Apollo. Apollo, c'est la recherche militaire allemande. Spoutnik, c'est la recherche militaire allemande. Et même Dassault. C'est-à-dire que les services secrets américains vont rafler les trois quarts des techniciens allemands. Les Russes vont rafler un petit quart. C'est ce qui explique le retard de Spoutnik par rapport à Apollo. Korolev, qui est le maître d'œuvre de la politique des missiles et de la recherche stratégique et aérienne et spatiale soviétique, a des équipes de savants allemands beaucoup plus secondaires que ce que von Braun emmène au Nouveau-Mexique. Mais toute la modernité technologique américaine et russe, projet Spoutnik, projet Apollo, c'est von Braun. Et ce sont des chercheurs allemands. Donc, ni les Russes, ni les Américains ne sont trompés, ne se sont trompés. Ils savaient très très bien que le vivier technologique de la puissance capitaliste en mouvement, c'était l'Allemagne. Et les premiers essais du Triton français de Marcel Dassault, je crois que c'est le Triton, c'est fait à partir de moteurs d'avions allemands récupérés à Mérignac. Donc, il n'y a pas de modernité aéronavale en termes de missiles, en termes de développement cellulaire, en termes de tout ce que vous voulez en technologie moderne du capital, s'il n'y a pas ça. Donc, il faut bien comprendre que la géostratégie de Rapallo, si elle avait abouti à maintenir en permanence le pacte germano-soviétique, c'en était fini de l'impérialisme américain. Et d'ailleurs, les Américains ne s'y sont pas trompés, parce qu'ils n'ont bombardé Nagasaki et Hiroshima qu'après avoir pris Berlin. L'objet numéro un de l'armée américaine, c'est Berlin. Ce n'est pas Tokyo. Donc, il y a une entité dialectique dans le développement des forces productives qui s'appelle Rapallo et qu'il faut absolument détruire à tout prix. Que fait De Gaulle? De Gaulle, dès qu'il a, entre guillemets, pouvoir sur les manettes, il rencontre Adenauer et il lui dit ben, on essaye de refaire Rapallo. Et qu'est-ce que font les Américains? Ils vont chercher Erhard et Kissinger pour bousiller Adenauer et pour remettre la politique de l'OTAN en mouvement. Donc, ça me fait marrer. Il y a un truc, je ne sais pas si les auditeurs et vous, il y a un film très marrant d'Hitchcock qui s'appelle L'Étau. C'est un polar espion, ça doit dater des années 67-69, je ne sais plus exactement. Et alors Hitchcock fait un film CIA, c'est un film sur l'Élysée.
Et qu'est-ce qu'il y a à l'Élysée? Il n'y a que des espions soviétiques. Hitchcock fait un film où il nous explique que De Gaulle est entouré d'espions soviétiques, que la France gaulliste est soviétique. Or, on sait très bien, à travers Poniatowski, à travers Giscard d'Estaing, à travers Monnet, à travers plein de... c'est le contraire. C'est-à-dire que De Gaulle, il est entouré de ces CIAistes, mais la CIA, qui veut absolument saborder le retour de Rapallo, demande à Hitchcock de faire un film, Leto, où on nous montre que la France est sous domination soviétique. Et il est très marrant. C'est un film, je crois qu'il y a Philippe Noiret, Michel Piccoli. Enfin, ben c'est très marrant. Ce film, c'est un gag, c'est une caricature. Il faut le lire au deuxième niveau, mais alors vraiment, on rigole. Donc, si vous voulez, l'enjeu stratégique de la puissance américaine, il est simple, c'est qu'il n'y ait jamais de Rapallo. La Chine, là-dedans, ça n'intervient pas. La Chine, c'est Kissinger et Nixon qui débarquent en 1973 à Pékin et qui se disent, il faut... Alors non, alors, après la Seconde Guerre mondiale, on a Yalta. On écrase l'Europe en deux. On donne une partie de l'Europe à l'URSS et l'autre partie est complètement congelée à l'OTAN. Mais l'ennemi dans cette coupure de Yalta, ce n'est pas la Russie. L'ennemi, c'est cette Europe qu'il faut neutraliser. Et quel est le meilleur moyen de la neutraliser? C'est de la couper en deux. Un côté à l'Est qui va rester archaïque et un côté à l'Ouest qu'on va complètement absorber dans la modernité de l'Allemagne RFA. Et dans le même temps, la CIA, alors ce n'est pas l'intelligence de la CIA, ce n'est pas un complot de la CIA, c'est une immanence dialectique instinctive des services par rapport au développement du complexe militaro-industriel. On comprend bien que pour empêcher Rapallo, ça ne suffit pas, il faut déplacer l'axe du monde sur des pesanteurs asiatiques. Déplacer l'axe du monde sur des pesanteurs asiatiques, créer une Chine moderne. On a donc Kissinger et Nixon qui débarquent en Chine en 93. Le grand bond, la révolution culturelle, la Chine en 73, c'est encore plus bousillé que la Russie stalinienne des années 50. Il n'y a rien. Et c'est les États-Unis qui créent la Chine moderne. Et c'est les États-Unis qui créent la Chine moderne pour qu'il y ait un déplacement économique asiatique pour encore plus neutraliser le développement technologique européen. Donc, la Chine, c'est pas le sujet. C'est un sujet divers et varié d'accompagnement périphérique. L'Asie en développement a pour objectif de neutraliser Rapallo sur son flanc sud. Donc, il faut avoir une vision dialectique. La vérité, toujours, c'est ce qui s'inscrit en apparence. Donc, il n'y a aucun conflit entre la Russie et les États-Unis. Il n'y a aucun conflit entre la Chine et les États-Unis, même s'il y a plein de rivalités commerciales périphériques au fur et à mesure que tout décolle. Mais rappelez-vous la guerre du Vietnam. Rappelez-vous la guerre de Corée. L'armée russe et l'armée américaine et l'armée chinoise se battent face à face et il y a des milliers et des milliers de morts. Croyez-vous que ça ait enclenché une guerre mondiale? Non. C'est des rapiéçages périphériques, c'est des organisations de frontières limitrophes, c'est purement et simplement des réajustements secondaires. Et on parlait tout à l'heure du gauchisme débile. On a un exemple du gauchisme débile dans sa décomposition universitaire avec Castoriadis, qui dans les années 50, 60, 70, les chars russes vont arriver à Paris, les chars russes vont arriver à Paris. Il a écrit deux ou trois bouquins sur la guerre, les chars russes vont arriver à Paris. Mais non, les chars russes n'arriveront jamais à Paris. Parce que la Russie n'a aucune capacité stratégique, technologique, de développement capitalistique. Donc elle n'est jamais arrivée à Paris. Elle n'est jamais arrivée à Paris, elle arrivera jamais à Paris. Mais si vous voulez, c'est toute cette pensée qui n'est pas dialectique. C'est une pensée qui est faite de zigzags, d'entremêlements. Et alors, je reviendrai à Rapallo, mais j'ai un tilt parce que j'ai eu un message d'André sur les libertaires. Alors, Castoriadis, c'est quelqu'un qui est passé par Marx dans Socialisme ou Barbarie, mais qui s'est complètement décomposé. Et qui, au moment où il y a eu le pouvoir ouvrier avec entre autres Pierre Guillaume, est parti dans un truc ultra-réformiste et complètement débile. Mais tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas de méthode, c'est parce qu'il n'y a pas d'analyse radicale. Et on parlait tout à l'heure des libertaires
qui croient que le droit à l'avortement est un droit d'émancipation féminin, alors que justement c'est un droit de régulation capitaliste des naissances pour avoir des flux de rentabilité sur la longue durée. Et je reçois donc d'André l'information, je ne savais pas que Skirda, j'ai bien connu, parce que Skirda, dans les années 75-80, dans les petits groupes anarchistes où j'étais sur Paris, on connaissait bien Skirda, qui était un homme charmant pour nous parler des Cosaques, qui était un homme charmant pour nous parler de Macno, mais qui n'a pas d'analyse stratégique, parce que les anarches n'ont jamais d'analyse stratégique. Les anarches, c'est des réformistes radicaux. Et les milices de la CNT, c'est pas un accident. Les anars c'est la gauche de la gauche, les anars. Et la gauche de la gauche, c'est la gauche extrême. C'est rien de plus. Et donc Skirda a écrit un bouquin, Le Plagiat, où il marque, considérant 1843, Marx manifeste 1848. Donc considérant a écrit en 1843 le manifeste de la démocratie. Et Skirda nous dit, mais regardez bien là-dedans, on retrouve tout le manifeste communiste. C'est-à-dire incapable d'analyser comment, à partir d'une même trame historique, on aboutit à des puissances analytiques en fonction de l'histoire qui sont complètement différenciées. Alors, bien évidemment, dans le manifeste de la démocratie, considérant qu'est un homme intelligent dans les réseaux post-fourriéristes, voit qu'il y a un développement du capital, que le capital supplante la féodalité, etc. Mais si vous allez lire le bouquin, ça n'a rien à voir avec la subversion radicale de Marx. Rien à voir. Et c'est pareil, moi, quand j'étais dans les groupes anarchistes dans les années 75-80, la grande mode, c'était de dire « Marx a tout piqué à Proudhon, la plus-value, c'est le droit d'aubaine ». Alors, allez lire les textes de Proudhon sur le droit d'aubaine, c'est nul. Il dit « Oui, oui, l'ouvrier n'est pas tout entier payé de sa tâche ». Voilà, c'est ça le droit d'aubaine. Et aller lire la plus-value chez Marx, ça n'a rien à voir. Mais la pensée libertaire, qui est une pensée réformiste, qui est une pensée qui ne creuse pas, elle voit du plagiat là où il y a simplement la reprise d'une réalité historique, mais qui est explosée et qui est repositionnée dans une terminologie révolutionnaire. Donc, considérant et Marx sur le devenir de l'histoire, ben, ils parlent de la même chose, c'est ce qu'il y a sous leurs yeux, mais pas du tout de la même manière. Et Proudhon, le droit d'aubaine, et Marx, la plus-value, rien à voir. Et pourquoi les libertaires, en toute bonne foi d'inculture, peuvent imaginer qu'il y a du plagiat chez Marx sur Considérant ou sur Proudhon? Parce que précisément, leur prisme est empirique, il est analytique, il n'est absolument pas dialectique et il n'est donc pas subversif. Donc il y a une incompréhension radicale. Et c'est pareil, là, on parle de Rapallo. On parle de la crise économique, on parle de la réalité du capital. Cherchez dans la décomposition gauchiste une analyse de fond sur Rapallo. Il n'y en a pas. Dans les années 75-80, le groupe commune de Kronstadt, le PIC Jeune Taupe, on s'est retrouvés ensemble pour travailler cette problématique-là. Et alors que tout le monde nous disait qu'on allait vers une troisième guerre mondiale parce qu'il y aurait un affrontement entre les États-Unis et l'URSS, on était les seuls, les deux groupes confondus, on devait être à peine 10, qui disaient qu'il n'y aura jamais de conflit entre la Russie et l'Europe parce que la Russie ne peut pas manger l'Europe, il n'y aura jamais de conflit entre la Russie et les États-Unis parce qu'il n'y a aucun affrontement capitaliste d'autres technologies. Et le seul affrontement qu'il peut y avoir, c'est un affrontement entre l'Europe et les États-Unis si l'Europe est capable de sortir de l'OTAN et de s'allier à la Russie. Donc on retrouve toujours les mêmes problématiques analytiques. Celui qui n'a pas la clé méthodologique, celui qui ne comprend pas la dialectique, il ne comprend rien à Considérant, il ne comprend rien au gauchisme de la marchandise, il ne comprend rien au grand remplacement, il ne comprend rien au terrorisme, il ne comprend rien à rien. Et in fine, aujourd'hui, y a-t-il un conflit en Ukraine? Oui, il y a un conflit en Ukraine, mais pas entre la Russie et l'Ukraine ou entre la Russie et l'Europe. Il y a un conflit qui est créé de toutes pièces par le jeu de la décomposition capitaliste organisée par la CIA pour utiliser l'Ukraine comme un enjeu contradictoire et conflictuel pour empêcher le rapprochement entre Moscou, Berlin et Paris. Donc, toute l'histoire du conflit ukrainien contemporain, ce n'est pas un conflit entre les États-Unis et la Russie, c'est un conflit entre les États-Unis et la Russie qui crée un fétichisme, un hiéroglyphe, pour effectivement détourner les yeux des véritables enjeux,
pour empêcher le rapprochement. Vous avez parlé tout à l'heure de Nord Stream. Les Américains ne supportent pas Nord Stream. Pourquoi ils ne supportent pas Nord Stream? Parce que c'est une vision d'indépendance européenne. Alors l'Allemagne a été vassalisée en 1945. Non seulement on a tué sa capacité militaire, on a tué sa capacité géopolitique et on l'a condamné ad vitam aeternam à la culpabilisation sans fin. Donc le levier Rapallo qui partait de Berlin jusqu'en 1945 à partir effectivement de l'Europe, à partir de l'Allemagne, du traité de Versailles, il est fini. C'est ce qu'avait très bien compris De Gaulle, qui disait à Adenauer, bon, bah maintenant, vous êtes complètement soumis à l'orbite américaine. Si on doit retrouver une indépendance européenne, elle doit partir de Paris. Donc c'est pour ça que De Gaulle était la ligne de mire centrale de la CIA. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le conflit, il est toujours le même. Empêcher Paris de produire avec Moscou une analyse stratégique qui permettrait une conduction stratégique à laquelle les Allemands reviendraient progressivement. Voilà les grands enjeux du temps qui viennent. Alors on a la crise du capital, on a les taux d'intérêt négatifs, la dévalorisation monétaire, les fondements industriels, et on a ce grand enjeu géopolitique. Est-ce que oui ou non, les Américains vont pouvoir définitivement empêcher la résurgence de Rapallo, ou est-ce que sous des formes complexes, contradictoire, un ressurgissement est possible. Et on voit bien Macron, même totalement servilisé, qui de temps en temps en trouve les rideaux pour parler avec Poutine. C'est compliqué tout ça. Alors, le grand enjeu, c'est bien évidemment le nucléaire français qu'il a fallu détruire. La politique américaine, c'est empêcher Rapallo, mais c'est aussi détruire toute la technologie qui permet à Rapallo d'être rentabilisé. Détruire le nucléaire français, ce n'est pas simplement détruire le nucléaire, c'est détruire la capacité civile, c'est détruire la capacité militaire du capital occidental. On va dire à nos auditeurs d'essayer donc de percevoir cette insurrection qui vient et Je précise que d'essayer. toute la crise ukrainienne, elle est déjà explicitée en amont dans les commentaires sur l'extrême radicalité des temps derniers qui a dû sortir en 2014-2015, parce que c'est ça à prévoir. C'est-à-dire que chaque fois que surgit un événement, il faut le dialectiser, il faut le conceptualiser pour voir ce qu'il implique et vers quoi il va. C'est-à-dire que la crise ukrainienne, le terrorisme d'État généralisé, les taux d'intérêt négatifs, la tyrannie sanitaire, tout ça, mois après mois, semaine après semaine. On a prévu, on a anticipé, on ne court pas après l'événement. On ne court pas après l'événement. On sait où l'on va parce que ce qui se passe est objectif. Il n'y a pas de hasard. C'est le déploiement radicalement logique de la dialectique des forces productives. Donc, celui qui veut comprendre, il peut comprendre à condition de lire et de lire d'une manière dialectique et radicale. Pas sortir des débilités du style oh ben Marx il a plagié Considérant en 1843. Si on lit Considérant et si on lit Marx, on voit qu'ils parlent de la même chose, mais pas du tout de la même manière. Mais pas du tout de la même manière. Et toute l'œuvre de Marx a consisté à reprendre des textes qui avaient existé avant lui pour les retourner dialectiquement et les renverser. Si vous lisez par exemple de la capacité politique des classes ouvrières de Proudhon et que vous lisez la critique du programme de Gotha de Marx, on parle bien de la même chose. À quelles conditions le prolétariat peut entrer sur la scène de l'histoire? Et d'un côté, on a un truc réformiste pour une nouvelle bourse, pour une nouvelle banque, pour une nouvelle politique, pour une nouvelle économie. Et de l'autre côté, on a l'abolition radicale du salariat de l'État et de la marchandise. Donc, intelligence, radicalité et critique. Et c'est précisément parce que ces groupes du gauchisme de la décomposition ne sont pas sur ce terrain-là, qui n'ont rien compris à Barcelone 37, qui n'ont rien compris au grand remplacement, qui n'ont rien compris au LGBTisme, et qui ne sont même pas capables d'aller sur le site du MEDEF pour voir que toutes les revendications les plus poussées de leur catalogue sont au centre des tribunes de formation du MEDEF. Le gauchisme de la marchandise est un larbin du MEDEF.